au YouTube. Boum. Non, il n'y a pas de jeu, je suis con. Bête de jeu. Voilà, City, toi bien. Ok. Fais voir. Oui, ah putain, pas bon. Il y a le son normalement. Ouais, bah parfait, bah let's go, hein. Let's go, let's go, let's go. Alors, ouais, du coup, je m'étais arrêté en plein milieu d'une quête secondaire, je crois, un truc comme ça. Ou d'une quête principale, je sais plus. Enfin, en tout cas, je m'étais arrêté un peu à la random. Attends, je veux dire, sur. Je reprends avec. Voilà, hop. Bon, tout le monde est là, tout le monde est bien. Normalement, ouais, ça marche bien. Ouais, c'est bon, okay, tout marche bien. Bon, ça, je sais pas si je le finirai non plus ce soir. Fais chier, putain, j'ai prévu de tout finir, je vais rien finir encore. Alors voilà, je m'étais arrêté là. Ah bah non. Bon, bah c'est pas grave. Ouais, tranquille, yes. Bah du coup ça avait bugué en fait. Et parce que ça j'ai regardé ma rediff. Du coup je suis au courant. Mais en gros je m'étais arrêté ici parce que bah, j'avais trouvé les indices et tout. Et ça avait pas déclenché le scénario. Parce que cette scène est extrêmement buggée. J'ai regardé sur internet. Et j'ai réussi à par chance à trouver. Enfin à réussir. Revenez sale voleur. Oh il y a la VF. Ça coûte de nous chercher des noises. Alors, ça c'est probablement pas le premier. Ah ça je sais plus comment ça marche. Un petit peu. Oh non. Ok donc là il y a un voleur qui a fait du bruit. J'espère que le professeur Westerbrook n'entendra jamais parler de ceci. Voilà c'est un peu plus... on peut discuter. Là ça fait un peu moins peur. C'est un peu plus oppressant. Du coup si vous voulez blablater là il n'y a pas de souci. Ça c'est tout le bâtiment. Ah c'est tout le bâtiment. C'est vrai que là j'ai un gun en plus là je crois. Ah, j'en ai deux même je crois. Oh quel bonheur. J'aime pas quand ça fait peur. C'est fini Momo, ça fait plus peur. Là ça fait plus peur, là on peut discuter. Là c'est bon, tu peux relâcher la pression. Relâche le sphincter Bobo. Enfin le fais pas sur ta chaise. À part si t'en as une de remplacement. C'est marrant le kéka hein. Putain. Ah c'est tranquille là. T'as vu il est marrant mon tête de stream hein. J'y ai pensé tout à l'heure et ça me fait rire, ça me fait encore rire. Voilà, oui, c'est rigolo. Saleté de vermine. Que la mère les emporte. Voyons voir ce qu'on a ici. Saleté de vermine. Que la mère les emporte. Ah putain, ok. Alors, qui. Alors, dans quel ordre? Dans quel ordre? Parce que là, du coup, t'as. Le mec qui prend ses armes, je pense que c'est en second. Non, attends. Non, c'est en troisième, je crois. C'est en troisième, ça c'est en dernier. Ça c'est en premier, je pense. J'espère que le professeur Westerbrook n'entendra ouais. Jamais parler de ceci. Là il le fait tomber. Encore un petit peu. Oh non. Ah mais c'est parce qu'il a été greedy ce chien. Hop. Saleté de vermine. Que la mère les emporte. On va tomber là. Avec un gros bite de naguère. Hein. Ah oui, putain de merde. Mais c'est comme ça qu'il s'appelait son chat, non? C'est comment qu'il s'appelait son chat? Merde. C'est ça la vanne, mais si j'ai de la merde, c'est du racisme. Enfin, c'est rigolo quand même. Ça coûte de nous chercher des noises. Un homme s'est introduit dans la réserve. Bon. Je suis vraiment stock de poissons, master animateur. Inconnu, et ensuite fait du bruit, ce qui a alerté le garde qui l'a chassé. Étoile, je crois. Surprenant. Ouais, c'était le N-word. Preuve claire récupérée. Ah, attends, comment ça marche? Comment ça marche? Alors ouais, c'est vrai que là j'ai un appareil photo, du soin... Ah, d'accord, ok. Merde. Ah, tu peux rajouter man au titre du coup? Momo, s'il te plaît. Mais ouais, là j'ai un bon gun, là j'ai des bons guns là. Ah, quel bonheur. Alors du coup, c'est dans mes... Palais de la mémoire, là. Alors... Une chambre secrète dans l'entrepôt. J'ai découvert ce qui semble être une cellule ou peut-être même une salle de torture dans l'entrepôt de l'OED. Le poisson issu de l'entrepôt de l'OED contient du poison. L'empoisonneur a mentionné le professeur Westbrook. L'OED distribue gratuitement du poisson à tous ceux dans le besoin. Bah, let's go.
mieux là? Je peux pas voir, attends. Merde, faut attends. Google. Qu'est-ce que t'as mis? Yes, parfait. Ça, au début, ça s'était pas mis à jour. Je dis, bah, il y a un changement de second. De grandes quantités. Merci, Mo. De grandes quantités de poissons contenant probablement du poison et des gestures que vous avez mis. L'OED veut empêcher la famine. Mais les poissons, ça va prendre. Ah oui, non, oui, non, je suis con. Ok. Fiole de labo. Professeur. L'homme qui s'est introduit dans l'entrepôt de poissons de l'OED a un lien avec l'université. Je dois m'y rendre. Ok, donc ça, c'est prochain arrêt. Et ça, bah ça, we don't fucking know. Du coup, c'est quoi ça? Ok, donc ça, c'est le nouveau truc que j'ai trouvé. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Donc là, donc ça, c'est fini. Ah, ça, c'est une quête secondaire, non? Ah non? What? J'ai fini là? Non? Attends. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant. Oh putain, oh oui. J'avais oublié. Votre visiteur n'était pas venu ici pour vous voler. Il était là pour empoisonner vos poissons. Oh, cette ville de mort. Mer. Vous en êtes sûr? Oui, oui. C'est ce que les preuves suggèrent en tout cas. C'est horrible. Je vous en prie. Oh, j'avais oublié, mec. Ne dites pas à Anna que c'est ma faute ou elle va m'écarteler. Ça a changé la Picardie. Eh oh, et qu'est-ce qu'il dit, lui, là? Eh, on est très loin de la Picardie, d'accord? On est au moins à 500 km. Tu vois, voilà, ça peut être plein d'endroits différents. Elle va vous écarteler. Anna va vous écarteler. C'est une façon de parler, n'est-ce pas? Si seulement. Anna. Ça va le son? Ouais, normalement ça va le son. Quand il s'agit de sinon, j'augmente un peu. Pas de problème. Qu'il soit membre de l'OED ou non. Je ne m'y attendais pas. Ah, tu as l'air décontenancé. Ouh. Moi, en plus de 3 syllabes. Bon, rien à dire. Vous en faites pas, je dirai rien. Seulement peut-être augmenter le tien, je touille. Vous me semblez être un honnête homme, Daryl. Oh, t'es sûr? Merde. Merci, monsieur Reed. Tenez, c'est pour vous remercier. Ah, quel crack. Prenez soin de vous. Enfin, tu es venu quoi, bon? Mais j'ai mal agi et je mérite une punition. Je serai de garde pour tout le mois, sans un jour de congé, je le jure. Bien. Ok, bah j'augmente ça juste ça après. Peut vous aider à vous sentir mieux. Hop, oui. Alors, hop, j'ai augmenté 5%. Pas mal, 5%. Il est où mon micro? Ah, mais il a 0. Ça a 1. Moi, je mets ça à 1. Hop. Où se trouve l'université BG? Vous pouvez me rappeler où se trouve l'université BG? Merde, attends, de remettre le chat. Voilà. Et voilà. Mais d'abord, merde. N'oubliez pas de faire votre rapport à Anna. Rien. Bientôt. Que la mère vous protège. Putain, mec, ils ont tous des gueules d'alcoolique anonyme, sérieux. Genre, lui, là, sa femme, elle l'a quitté depuis 2 ans, il arrête pas de boire. Voilà, il s'encule au whisky. Lui, il fait que se droguer. Ah, mais c'est dégueu. Que la mère vous okay, protège. Ok, rien à dire. Alors, mec avec ses bretelles ressemble à un breton qui vient d'apprendre un sport sa d'agriculteur. C'est pas genre pêcheur, les bretons? C'est pas genre pêcheur, les bretons, normalement, à la base? Alors, la peur... Une carte à peur d'Anna. Blablabla. Daryl Grimes m'a dit qu'Anna était sans pitié parce qu'elle châtiait les membres de l'OED. Elle faisait en peur d'elle. Ah, mais ça, je m'en fous. Alors du coup, c'est où qu'il faut que je vais? Elle est là-bas, Anna? Tout droit? Non. C'est vrai que la map est grande, quand même. Hein. C'est vrai que pour l'instant, dans mes souvenirs, le jeu, il était bien. Enfin, j'avais kiffé le jeu. Oh merde. Je crois que je peux rentrer chez tout le monde. Bon, voilà, t'es qui? Oh, stylé! Ah, stylé un peu. Bon, Ok, Anna! Bébé! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu slaves squat? Bah, elle est où? Elle est en 7 là? C'est quoi les touches d'ailleurs? Donc, M map, ok. Bah, non, c'est bon. Pas de l'autre côté là? J'ai un peu. Normalement, c'est censé être tac au tac, mais pétain? Ah non. Oh, ouais, c'est bon, hein! Merde, elle est où cette conne?
Normalement, on est au marché, non? Ah bah, marché de poissons. Ah, parce que... De toute façon, se trouve là, entre one... Ouais, mais je sais. Je sais, j'ai fini. Bon, de toute façon, je vais aller tout droit, puis je vais prendre la barque. Ah si, c'est juste ça que je me souviens, la barque, c'était relou. Salut Bobo, ça va ou quoi? J'ai bien redémarré d'ailleurs mon enregistrement. Ok, bon, putain, ça m'a fait peur, mec. Hop. Je pense que je me serais taillé les veines si j'avais pas redémarré mon enregistrement. En live, hein, oui, en live. Ok. Je suis éclaté si j'ai plus de jambes. Ah oui, c'est vrai que t'as fait muscu aujourd'hui. Tu vas me dire re toutes les 5 minutes? Bon, ok, ça fait une demi-heure, mais. Non, c'est en face, là-bas. Ah yes! Maxi drift, maxi barque, j'adore. De l'autre côté. C'est de l'autre côté, yes. Je suis allé marcher 42 km en un jour. Ah ouais! Ah, pas mal! Tu m'étonnes que tu t'es claqué. Mais qu'est-ce qui te prend aussi de marcher 42 km? Merde, il est fou! Mais cet homme n'a pas envie de vivre. Là, ah oui. Ça... Ouais, pourquoi faire? Ça sert à rien de. Enfin. Quand on est à l'époque des voitures. Allez, des calèches, peut-être chez vous. Je ne connais pas bien la Belgique. Mais quand même. Oui, ça marche aussi en vrai. Ça marche aussi. Quand même. C'est quoi le jeu? C'est écrit. C'est écrit, BG. Alors après, tu sais peut-être pas lire. Alors là, faut me le dire. Je t'expliquerai du coup. Et je pense qu'à 12 ans on sait lire. Qui est tout droit. Je tourne là-bas. Non. Si, non, je suis tourné. Ah bah non. Bon bah. Ok. J'aime bien marcher. Merci Ludo, putain. Eh non mais les. Deux caisses, il n'y a pas eu un meilleur timing. Sérieux. J'adore marcher, prout. Et le premier, c'est pareil. Ça manque dans mes mecs. Mais tout à l'heure, Hunter, il en a lâché une. Enfin, j'ai dit. Vraiment, c'était un combo, quoi. Ce bruit de prout est magnifique. Non, franchement, c'est chaud, surtout qu'il faisait froid. J'ai pas un poil de sec. Il y avait des vents de force 12. Ah non, mais ça, poteau. Moi là en ce moment j'ai de la chance, parce que je vais faire mes courses à pied, tu vois. Genre il fait froid et tout, mais ça fait du bien. Même il pleuviote un peu, mais c'est pas, y a pas trop de vent, du coup c'est Gucci. Mais s'il y a du vent, nique ta mère. Je vais pas rester, j'ai beaucoup trop de tâches, je vais juste lâcher une caisse et vous faire une grosse bise. Ouais, excuse, pas de problème. D'ailleurs oubliez pas que demain il y a le stream de Russian et Poons sur... Putain j'ai dit tout à l'heure. Merde. Putain j'ai dit tout à l'heure, jeu PS4 dans la neige. Qui fait un peu peur. Voilà. Allez, Louane. Yes. Bah, elle est où? Putain. Until Down, voilà. Pas Sound, mais... T'étais pas loin. Non, toujours pas Taxi Felix. Mais bon, le principal, c'est les ailes, hein. Mais attends, mais je comprends pas pourquoi ça me... Mais non, ça me fait aller vers là-bas. Ah, mais je m'en fous, moi. Bon. Ma vision d'aigle. Du coup, c'est double refrit. Let's go. Ah. Voulez-vous du poisson? Bah non. Ah, c'est toi. J'ai des nouvelles au sujet de votre problème de poisson. Il est pas prêt, mon poisson? Ce n'était pas un cambriolage. Il est pas prêt? Quelqu'un s'est introduit dans l'entrepôt pour empoisonner le stock de poissons. De ce que j'ai pu constater, il a réussi, au moins en partie. J'imagine que c'est difficile à entendre, mais j'ai un échantillon de ce que je crois être le poison. Je ne l'ai pas encore identifié. Oh, que la mer nous protège. C'est terrible. Quel homme pourrait faire une chose pareille? Et pourquoi? Je ne sais pas, mais je compte bien le découvrir. Il faut arrêter la distribution de poissons et prévenir tout le monde. Qui sait combien de personnes ont déjà été infectées? Bon, elle, sa tronche, ça va un peu. Que de faire avec l'empoisonneur? Que voulez-vous que je fasse de l'empoisonneur quand je le... Tu ressembles à quoi, cette cheddar de merde? Je réglerai son compte tout de suite. M'en fous. La police et la justice ne servent à rien. Je tiens à dire que je suis en forêt quand tu fais un degré et qu'il y a du vent, c'est une sacrée expérience, mon gars. Je suis torché avec des feuilles ou pas, Bobo?
Très bien, très bien. Parce que là, c'est la true Clodo expérience, hein, du coup. Je ferai en sorte que la récompense soit belle, si vous voyez ce que je veux dire. C'est du tout discover Avengers vs. Wall. Ouais, non, mon gars, mais. Une chose m'intrigue. Non, j'ai mon rouleau de PQ. Quel dommage. Parce que se torcher avec des feuilles de peuplier. Qui avait pris l'eau? Ah. Il a combattu comme un lion. Votre garde a été vigilant. Bah, je suis gentil quand même. 100% boomer. Mais l'empoisonneur a réussi à l'assommer. De quoi 100% boomer? Il a pris une promotion, si vous voulez mon avis. Ce bon vieux Daryl, on peut toujours compter sur lui. Bah oui, ce bon Daryl. J'espère qu'il va bien. Un frère. Je vais veiller à ce qu'il ait son dû. Au revoir, Charlie. Big bisous, non? Elle est où l'université? Vous pouvez me rappeler où se trouve l'université? Je la connais bien. Donnez-moi votre carte et je vous la montrerai. De quoi? Il est complètement perché. De quoi tu me vois sur ton frigo? De quoi? J'imagine que vous y étiez étudiante. Je parle anglais. Oui, en effet. J'y ai obtenu mon diplôme. Yes, Pauléon. Ça vous étonne? Oh, je m'attendais pas à trouver une diplômée ici, c'est tout. Oui, dans ce pays de cutéreux. Tu es un peu jeune. Oh, encore un mot entre celui-là. Je verrai vite qu'une femme. Putain, mais qu'est-ce que j'ai ce soir? Ça augmente que sur le continent. Notre université a toujours accueilli les femmes à bras ouverts. Il y a des gars encore plus éclatox que moi. Non, mais mec, mais... Ok, alors, c'est où l'université, du coup? C'est le journal. C'est mon motel. Là, c'est le porte. C'est l'université. Oh, c'est super loin! Oh, fuck me. Oh, fuck me, boy. Fuck me in the paper room. Bon, marche arrière. Marche arrière, ouais, marche arrière, et puis beaucoup de... Ok, bon, ça va être un peu long. Ok, alors, beaucoup d'ouverture de map, il va y avoir. Ça relie à une touche ou pas? Attends. Juste changer... Moi, je vais me coucher. Cuscus, Bobo, merci d'être passé, Bobo. Merci à tout le monde d'être passé, d'ailleurs. Small Raidan, à l'envers, ça fait Nadia. Et ça, c'est un prénom de... yes. Come a rock. J'ai envie de la foutre. Oh putain. Contrôle, alors, juste la touche map. Where you at? Ok, hop. Voilà, parce que je vais m'en servir énormément. Ok. Du coup, c'est là-bas. Il est complètement fou. Oui, en effet. Mais tu sais, ils sont beaucoup comme ça. Hein. Faites entendre votre voix en votant. Mais je vais pas du tout dans la bonne direction là en fait. Putain. Eh, j'en ai marre de me perdre. Choisissez avec sagesse. Pierce et l'homme. Oh. Ah, mais il y a voyage rapide. Oh, mais je me fais chier. Bah oui. Bah oui. Je peux y aller là-bas, s'il te plaît. Je t'en supplie. Bon, il est où mon voyage rapide? Ah. Ah. Donc j'ai soit entre soit loin, soit juste giga plus loin en fait. Nice. Bon bah m'en fous hein. Tu te rappelles quand on s'est rencontrés sur ce petit cas, on s'est tapé des barres. C'est vrai que moi je me suis tapé plein de barres. Blague scientifique maritime quand même. Je tiens à le dire. Non, je tiens à le dire. Et je me suis encore perdu. Par là. T'as compris? Parce que... c'est des barres en fait. De pression. Voilà. Et vu que je suis allé super profond, plein de barres. Marrant, hein? Ah, c'est rigolo la science! T'aimes pas? T'aimes pas les blagues scientifiques? Ah non, pour le coup, ça marche pas ça! I can't be the dumb dumb! Ok. Donc, ouais, je peux l'en charger? Mais non, mais je rechargeais juste. Tranquille. Non, mais y a pas de problème. Y a aucun souci. Je suis pas raciste envers votre face de poisson. Y a pas de problème. Aucun souci entre nous. Vraiment. Oh, il est joli le petit logo de sauvegarde. Merde. Ah si. Alors du coup, là je tourne à droite, puis gauche, puis re-gauche, puis tout droit, puis droite. Merde. Alors droite, puis gauche.
Et puis droite. Normalement, c'est ça. Yes, non, c'est bah, ça m'avait manqué en vrai d'y jouer. Je sais pas pourquoi j'ai pas repris plus tôt. Ce jeu, il est quand même. Il est très agréable à jouer. Enfin, genre, c'est pas. C'est pas prise de tête. C'est pas compliqué. Il tourne bien. Plus, c'est plus sympa. Enfin, Julien Chiez, mais je t'encule. Enfin, partons là-dessus. Et du coup, la droite. Yep, droite. Ça, tranquille. L'université est là-bas, non? Merde, je vais pas encore faire mon radar. Monsieur Poulain, pas dans quoi là? Merde! Bon bah, je tourne à droite là, c'est bon. It is a good, it is a good. Voilà. Ah, enfin un endroit un peu civilisé. Un peu. Hop! Ah, il s'est pas servir d'une carte alors qu'il veut où il est, j'imagine pas une vraie carte dans les mains. Tu sais que ça me sert à quoi une carte dans les mains quand j'ai Google Maps? Con ou quoi? Con ou quoi lui? Oui, le crépuscule. Si, si, le crépuscule. Oh! Voilà. Jamais. C'est jamais si j'ai envie de faire un truc comme ça, tu vois. Oh, je l'ai enculé! Oh! Oh, j'ai enculé sa daronne! Merde! Oui, mais vas-y, hey, je veux de l'harmonica, pas de musique sur mon stream! Moi, c'est que du silence! Au moins, ça marche! Mais ça va dans le fond, t'es perdu dans la forêt? T'es perdu, c'est comment? Enfin, je suis pas perdu en fait. Merde, il a des pop! Bon, bah, c'est pas grave. Bah, tout le monde a des pop en fait là. Ah non. Je suis où? Merde. Il est derrière. Je l'ai débloqué ou pas? Oui, je l'ai débloqué. Nice. C'est pas possible ça, Aidan. Enfin, c'est. La technologie ne m'accorde pas de tels droits. Ouais, bon, bah, je fais le tour pour rien, mais c'est pas grave. Alors, je vais juste reprendre mon flingue. Là, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. Cet homme a des pop. Ces gens des pop devant moi. Je ne peux rien faire, j'ai peur. Maman, allô? Allô, maman, bobo? Auckland University. Hello, come again. Attends, quoi, close? Bienvenue à oh, sa gueule à lui! Puis-je vous aider? Oh, lui, il a rencontré B22, lui. Professeur Westbrook. Je cherche le professeur Westerbrook. Savez-vous où je peux le trouver? Vous êtes celui qui doit lui apporter le spécimen? Le spécimen? Oh, oubliez ça. Il se trouve au département de médecine. Je vais vous montrer. Ah, c'est difficile. Vous reconnaissez cette bouteille? Savez-vous d'où elle vient? Désolé, nous avons des centaines de fioles similaires. C'est ça, fais le mytho. D'accord. Je dois savoir ce qu'elle contient. Des idées? Tous les mots que j'ai trouvés pour ton surnom. Vous avez besoin d'une analyse. Je suis sûr qu'un membre du département de médecine. Tu t'es fait chier, dis donc. Vous assister. T'as un vocabulaire très limité. Mais. Qui n'est pas limité ici. Bonne journée à vous. Ah, j'adore. Au revoir, monsieur. J'adore. Bon, département de médecine. Il est où? Droite et on y est. Alors faut pas le dire trop fort à B44. Ah non, c'est pas. Si. Faut pas le dire trop fort à B44 que je joue à ce jeu. Parce que je crois que c'est son. Enfin, c'est leurs ennemis un peu. La Focus. C'est Big Ben qui a fait le jeu, non? Enfin, qui l'a publié ou un truc comme ça, non? Je sais plus. Oui, haha, super van. Yes. Tu veux pas faire un one-man show, s'il te plaît? Ok. Mieux ou quoi? Bonjour, monsieur.
Bienvenue au département de médecine de l'université d'Oakmont. Je m'appelle Samuel. Charles Reed. J'ai failli faire une blague extrêmement raciste. J'ai quelques questions, si vous êtes d'accord. Hop, la fiole. Vous reconnaissez cette fiole? Pouvez-vous me dire ce qu'elle contient? À part juste du poison. C'est une de nos fioles de laboratoire. Nous en avons beaucoup. Bah bouge ton huc! Quant à son contenu, il faudra que je l'analyse pour le connaître. Vous pourriez faire ça pour moi? Les tests ne sont pas donnés. Normalement, j'aurais pu m'y mettre directement, mais pour l'instant... C'est quoi ton problème? Il y a un petit empêchement. C'est quoi du nouveau? Eh bien, notre labo est infesté de créatures. Les recherches du professeur Westerbrook ne sont pas tout à fait conventionnelles. J'ai mon N-pass. Et quelque chose a mal tourné. Voilà. Très mal tourné. Dans ta mère. Je peux régler ça. Hein. Donc, si je règle votre petit problème de nuisible, vous ferez ces tests pour moi, gratuitement? Nous avons un budget très serré. En nous aidant, vous aiderez la science, monsieur Reed. N'est-ce pas suffisant? Non. La science peut très bien s'aider toute seule. Non, c'est pas suffisant. D'accord. Vous réglez notre problème et j'analyserai cette fiole pour vous gratuitement. Voilà la clé. Let's go, j'ai pas beaucoup de balles, faut que je réussisse. Oula. À tous les étudiants du membre et membres du personnel de l'université d'Oakmont. À compter de ce jour, toute mention de l'organisation appelée Ordre et Entraide aux Démunis, également surnommée OED, de ses symboles, de ses membres actuels et ou passés, ainsi que toute apologie de ses croyances sont interdites sur le domaine de l'université. Et ce, sous peine d'expulsion. Ah, comme dans la vraie vie avec les communistes, en fait. Ou plutôt l'inverse. L'administration a reçu de nombreux signalements au sujet d'action de l'OED, travesti en soi-disant travail caritatif, au sein de notre université et Oakmont. Et d'Oakmont. Cela a pris des proportions que nous ne pouvons désormais plus tolérer, conseil d'administration. Ok. T'as gueulé parce que ma mère n'est plus là. Porte refuse de bouger. Quoi? Bah, ok. Qu'est-ce que je te dise? Oh. Ça nous arrive à tous, hein. Oh là, oh putain, il y en avait de la merde. Oh, let's go, je mange tellement bien, là. C'est là, le... Ok. Ok, une sauvegarde rapide. Ok, une balle, ça meurt. Parfait. Ok. Laboratoire est sûr. Parfait. T'as dit dans ta mère, sauf que la mère est morte. Yeah, c'est pas marrant ça. C'est pas marrant BG, hein, si tu blagues. Hein. On rigole pas de trucs comme ça. Hein. Et vu que t'as 12 ans, je te crois absolument pas. Votre laboratoire est certifié sans créature nuisible. Excellent. C'est un chemin, mon propos. Vous nous avez rendu un grand service. Nous pouvons reprendre le travail. Yes, à votre tour. Oh, attends. Votre laboratoire était plutôt intrigant. Ces expériences sur les créatures, c'est quoi? Elles sont fascinantes, n'est-ce pas? J'en prends un peu ce mot-là, mais bon. Indéniable de branches inconnues dans l'arbre phylogénétique. Peut-on vraiment nous reprocher de nous y intéresser? EBRIP Peut-être piece. Pas, mais autant de chair morte au sous-sol, ça attire les charognards. Vous n'aviez pas pensé à ça? Dans ta caboche de scientifique? Eh bien, non. Nous serons plus prudents à l'avenir. Nous avons compris la leçon. Bon, allez, à votre tour. Très bien, j'ai rempli ma part du marché. Allez, analyse. Voici la fiole, à vous de l'analyser. Ah, oui. Attendez ici. Ça ne devrait pas prendre longtemps. L'analyse est terminée, monsieur. Oh, la ricine. De ricine. Oh, putain. De ricine. C'est un poison hautement toxique. Bah ouais, normalement, enfin, tombe comme des mouches, ça. Il agit lentement, mais est fatal pour l'être humain. Il fait une crise cardiaque sans s'en rendre compte. Je connais les symptômes déjà. Alors, où peut-on obtenir de la ricine? Eh oui, je suis trop fort. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter en pharmacie. Ah, certes, c'est rare. Mais nous en avons une certaine quantité ici, à des fins d'études, dans notre cabinet de poison. Enfin, on en avait. Tiens. J'ai bien peur que c'est de là qu'elle provient. L'étiquette a été modifiée, mais elle ressemble fortement au nôtre. Dans de la poiscaille. Sur une scène de crime, quelqu'un essayait d'empoisonner des poissons avec. C'est horrible. Je dois absolument prévenir l'université à ce sujet. Alors, y a-t-il un antidote? Est-ce qu'il existe un antidote contre la ricine? Normalement, oui. Je crains que non. Tu mens! En l'ingérant, on signe son arrêt de mort. Tu mens, il y en a un. Je sais qu'il y en a un, je sais plus c'est quoi, mais il y en a un. Ah non! Ah, je sais pas. Merde, je sais plus. Bonsoir. Qui a accès au cabinet de poison? Seul le professeur Westerbrook en possède la clé.
Son bureau se trouve en haut, juste à côté de celui du professeur Cavendish. Le professeur Westerbrook n'est pas ici, cela dit. Il est malade depuis quelques jours. Le professeur Cavendish est étonnant, également absent, ça. Il est en congé. Étonnant. Où vivent-ils? Je ne sais pas trop. Probablement à Advent. C'est là que résident la plupart des professeurs. Attendez. Complètement. Vous ne croyez tout de même pas que c'est l'un d'eux? Ah si si, ah si si. Je suis en train d'enquêter dessus. Puis-je monter? À vrai dire... Enfin, tu dis non, je te fume, de toute façon, mec, donc... La situation est grave. Dans les égouts, il y a un gars sans ordre qui te tue en 5 voilà secondes. La clé. M'en fous. Mais ne mettez pas tout en désordre. J'adore être un connard. Vraiment des professeurs. J'aimerais en apprendre plus sur vos professeurs. Que voulez-vous savoir? Tout. Vas-y, Westerbrook. Je veux en savoir plus sur Westerbrook. Je le sens pas, lui. C'est le doyen de notre département. Ah, je le sens pas. Il travaille ici depuis au moins 30 ans. C'est l'un de nos plus anciens membres. Comme vous avez pu le remarquer, il s'intéresse tout particulièrement aux mâles bêtes qui sont récemment apparus dans notre ville. Oui, vous avez une faune plutôt unique par ici. Les hommes de Monsieur Morton lui ont ramené des spécimens vivants pour ses recherches. J'ignore comment. Il pense être sur le point de faire une découverte importante sur la théorie de l'évolution. Un secret qui, une fois révélé... Ah bon, avec les dents de l'envers, j'ai pas fait gaffe, Hunter. Certains secrets feraient mieux de rester enfouis, 6 pieds sous terre. Vous n'êtes pas un homme de science. I'm 6 feet under the fucking ground. Je ne sais pas pourquoi, mais... Un côté Gestapo chez le roi. Ah non, mais clairement. Attends, fais voir si les mains éclipent. Ah oui, ça clipouille. Ah, c'est mignon. Que pouvez-vous me dire au sujet du professeur? C'est le manteau, ça, hein, qui fait Gestapo. C'est l'un des plus brillants professeurs de la région. Clairement. Terminer une thèse de doctorat à 25 Après, ans. Après, ça va, je imaginez parle ça, à un mec. Ses études en biochimie sont. Je vois pas, mais il y a ma main qui passe dans mon visage, tu vois. Il mériterait un prix Nobel. Je comprends. Et du coup, c'est bon, je suis pas Gestapo. Il pourrait achever son travail. Sinon, ça ne jouerait pas. Problème. Je sais pas. Une sorte de problème familial. Ça l'a rendu irritable et renfermé. Oui, ouais, bah voilà, sa femme l'a quitté. Elle a pris un petit immeuble. On connaît. Ce qui lui arrive. On est là. Nous avons besoin de son talent, surtout en ces temps sombres. Au revoir. À plus tard. Alors, oh là 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 là. Alors, est-ce que j'ai des nouveaux... Oui, j'ai des nouveaux trucs de palais de mémoire. Alors, le dev cherche à gagner des membres en effectuant du travail caritatif et en prêchant auprès de ceux qui veulent écouter. God damn. God damn. God damn. Westbrook a accès au poison. Seul le professeur Westerbrook du département de médecine. Ouais, oui. Bon, moi, je fais tout. Ça, j'ai plein de trucs en de nouveau. Bureau, je peux monter? Ah, normalement, il m'a ouvert. Yes, parfait. Alors. Closed for maintenance. Oui. Oui, bien sûr. Oh, mais mec, mais il y a trop de trucs là-dedans. J'ai des pièges à loup, j'ai une grenade, j'ai une brique. Ok, donc ça c'est rechargé au maximum. Ça c'est un appareil photo, non? Yes, c'est ça, ok. Ok, c'est son bureau. Oh! Ah! Putain, ça marche. Jamais! La porte refuse de bouger. J'en ai marre! Et ça, c'est Candy. Okay. Allez, alors, qu'est-ce que tu quiches? Ébauche d'article. Frères et sœurs. Barré, ok. Trop familier, américain, américaine. Barré, ok, non plus. Eux aussi, ils sont américains. Citoyens de compte. Combien de temps encore allons-nous tolérer ces vermines à face de poisson? Raciste. Ces rebuts de la mer. Raciste. Combien de temps encore allons-nous les tolérer, ces dégénérés maudites cakes qui se font appeler l'OED? Raciste. Non, ça marche pas, poteau. C'est pas des vrais balles, à moins que ce soit des vrais cadenas. Merde. Sans qu'il soit encore un coup de tout là. Ok, donc Cavendish, bon. Il aime pas trop les gens de la mer. Ah, mais je suis allé du port en fait. Ah, c'est juste moi qui ai mal tiré. Oh! Oh, c'est... Alors ça, non. Mais le crâne comme ça, là, sans les trucs en dessous, c'est giga stylé. L'avoir en poussière chez moi, je ces dis oui. Ces fioles ressemblent exactement à celles qui contenaient le poison. Ces fioles ressemblent exactement à celles qui contenaient le poison.
Et c'est tout? Non, parce que là, ça me paraît vachement suspect, hein. Non, y'a rien dans le palais de la mémoire? Ok. Ah, il l'a lâché peu. Alors, c'est complètement absurde. Ça fait déjà 5 mois, et ils n'ont toujours pas fini de réparer mon bureau. J'en ai assez de m'asseoir dans le couloir comme si j'étais un assistant. Je refuse de poser le pied dans ce département tant que les travaux ne sont pas terminés. Ou faute de mieux, tant qu'on ne m'aura pas cédé le bureau de Cavendish. Allez donc relayer ce message à l'administration à la façon des limites. Ok, connard. Vraiment, son bureau, il est là, quoi. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. Bon, mais là, par contre, c'est full fermé. J'ai pas le choix. Et j'imagine que lui, mon pote, il va rien dire. Ouais, attends. Mais tiens, ensuite, autre. Comment savoir si quelqu'un a été empoisonné avec de la ricine? Les symptômes mettent plusieurs jours à apparaître. Au début, ça ressemble à un simple rhume. Normalement, la fin, c'est une crise cardiaque. Après plusieurs jours, par contre, ça se développe en hémorragie. Les organes cessent ensuite de fonctionner et on finit par mourir. C'est une mort fort peu agréable. Je te crois pas. À plus tard. Breaking Bad aurait-il menti? Attends, quoi? J'ai pas fini? Ah putain, mais c'est vrai que j'oublie tout le temps ma vue du démon là. Ah, mais attends, j'ai pas fini tout seul. Ah, mais je peux pas sauter aussi. Ah, si, ah, d'accord, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. Ah! Ah, mais c'est dégueulasse! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Heureusement que ce truc est déjà mort. Pourquoi diable garde-t-il ça ici? Mais mec, mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est... Sérieux? Je sais pas, ça sert à quoi en fait. Ah, c'est peut-être pour mettre de la vision. Que je peux en utiliser. Mec, c'est dégueulasse! Alors. 10 mars. Maintenant que je suis enfin débarrassé de ces restrictions à la noix, je peux continuer mes expériences en paix. Je dois en savoir plus. Le spécimen était toujours en vie, même après avoir retiré la moitié de ses organes internes. Fascinant. Tu m'étonnes. Je suis sur le point de faire une découverte biologique majeure. 15 mars. J'ai trouvé un moyen de ranimer leur tissu. What? Même s'il est mort depuis plusieurs semaines, c'est monumental. Les possibilités sont infinies. Serait-ce la preuve d'une qualité cachée en ces créatures? Ou même en nous? Il faudrait que je trouve des volontaires. Ok, il est devenu complètement fou. Let's go. Eh mais sérieux, mais... Eh, c'est... Le design des monstres, il est complètement stylé et en même temps qui dégueulasse. Qui oserait toucher une chose pareille? Et encore plus la disséquer. Ah, il est vraiment ravagé le mec. Hein. 2 mars, j'ai enfin reçu un spécimen en vie. Malheureusement, il s'agit des plus petits. Les gars s'appellent... Non, les gars l'appellent Balépate. Mais je pense qu'il lui faut un vrai nom. 3 mars. J'ai réfléchi toute la nuit au nom du spécimen. J'ai commencé à expérimenter dessus. Pour l'instant, il s'avère exceptionnellement résistant à toutes les substances toxiques à ma disposition. À l'acide et à l'électrocution. Oh, il a tellement mangé le pauvre. Enfin, le pauvre. Mais ces cris me hanteront toute ma vie. 5 mars. La nuit dernière, j'ai eu une vision. Des milliers de mains s'emparaient de moi, me recouvrant-elles une couverture. Dégueu un peu. Un nom résonnait également dans mon esprit. Faucheur stygien. Ok. Ok, voilà, parce que devenir fou, flemme, hein, clairement flemme. Ils ont un sacré équipement ici. L'université d'Oakmont est visiblement bien financée. Tu m'étonnes. C'est quoi ça? Que se passerait-il si j'appuyais sur le bouton? Je le fais, je le fais pas. Oui. Fais-le. C'est tellement tentant. Appuie! Mais non! Mais non, mais c'est... Ah, mais c'est dégueu! Putain, j'ai des visions en plus! Mais il va... Tu as crevé, sale merde! Oh, j'ai plus de balles. Putain, ça me crache de l'acide. Ah!
Mais il va mourir. Aïe aïe aïe. Ah, je vais peut-être recharger parce que ça c'est la merde. Et j'ai plus de balles. Putain, c'était ma dernière balle. Oh, j'aurais dû utiliser ma grenade, je suis con. Putain. J'ai gagné des trucs au moins. On va faire mes aptitudes. Ah, j'en ai gagné un. Hop. Bon, ça c'est fait. Bon bah j'ai vidé tout mon putain de chargeur. Let's go. Putain c'est là, d'accord, ok je fais une... Ah je sais plus comment il s'appelle. Bonsoir. Personnage de comics qui peut se faire surveiller avec... S'il plaît des balles. Putain 44. Oh putain une seule. Ah mais attends aussi, attends je peux en faire normalement. Inventaire. Fabriquer. Voilà. Hop. On va récupérer. Parfait. On va essayer de charger à fond. Et si. Hop, voilà, on charge. Ok, c'est good. C'est good. Ouais, non, c'est good. Est-ce que j'ai tout fouillé là? What? Ah, attends, Non, je peux tout fouiller. Pourquoi c'est point en vert, je crois. Peut-être que j'ai reparlé à l'autre con. Mais juste, c'est juste une salle avec du loot. Ok, bon bah c'était juste pour récompenser et pour remettre un petit peu de. Pour me récup. Enfin ouais. Ok. Alors, juste reprendre le gun, voilà. Dis-moi. Ah, bon, il s'en fout. À plus tard. Attends, ça me paraît bizarre, je peux vraiment rien faire de plus ici. Ah. Ça m'avance pas beaucoup ça. Ah ah. Oh 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 oh. Ça devrait convenir pour en faire une copie. Putain. Preuve clé récupérée. Alors, c'est quoi la preuve clé? George Cavendish a fait une double de la clé. Du cabinet de poison. Voilà. George Cavendish, un professeur d'université, documente le voleur de poison. Il a fabriqué un double de la clé de cabinet de poison. D'après l'un de ses étudiants, il vit quelque part à Advent. Donc, il faut aller le chercher. On s'en fout. Il y a un carnet de notes. Ok, bah j'imagine que là c'est bon. Yes, bah oui, c'est bon. Et bah c'est parfait! Mais c'est bien qu'il reste une preuve à trouver. Maintenant, c'est où qu'il faut que je vais? Advent. Ah! Alors, oui. Hôtel de ville. Bibliothèque. Alors, ouais. T'as pas des infos un peu plus concrètes, là? J'aime. Que pouvez-vous... C'est l'un des plus brillants professeurs de la région. Ses études en biochimie sont inégalées. Quel est son propre... Je sais pas. Une sorte de... Oui, j'espère je sais. Qu'il trouvera une solution à ce qui lui arrive. Ah, ok, donc pas du tout où il habite. Oh, ça va être chiant ça de trouver. Comment je pourrais le trouver? Peut-être à un moment dans l'université. Ouais, mais l'université est fermée, non? Attends, je vais voir l'université. C'est par là.
Parce qu'on peut pas me renseigner. J'espère que c'est la dernière fois que j'ai croisé ces gigantesques merdes, parce que... Quel merdier, sérieux? Est-ce que je peux vous aider, monsieur? Normalement, non. Peut-être à l'hôtel de ville, pour demander où il habite, ouais. Ouais. Ça me paraît quelque peu logique, mais bon. Et bien, allons tout là-bas. Je sais pas combien de temps je vais en faire du Singing City. Je sais pas si je m'arrête à... Enfin non, je vais pas m'arrêter à minuit, ça fait tôt. Enfin ça fait tôt, ça fait 45 minutes de jeu, c'est pas beaucoup, wesh. J'en ai eu de jeu plus. Ouais c'est bon chemin. Je sais pas si je m'arrête à 1h du matin ou pas. Je sais pas si je choisis le ticket du coup ce soir. Parce qu'il y en a qui sont chauds pour rester cette nuit. Un peu. Genre 3. Pas fou. Ok. Parce que là, la monster, mon gars, elle m'a redonné toute l'énergie que j'avais perdue. Ouais, non, par là. Ouh là là, ça pop, ça dépop, y'a pas de vidéo. C'est un peu n'importe quoi quand même. Bonjour ma petite dame. Oh là, oh voilà un point. De quoi mon codage en surcharge? Ça rame pas trop le jeu si? J'ai pas l'impression de ramer chez moi. Faut me dire si ça saccade ou si ça freeze ou quoi. Je règle le problème direct. Alors, Advent. Enfin, bah, c'est juste à côté. Juste à côté! Non. Là-bas. Ok, hop. Oh yes. Quelle magnifique chose de pouvoir stepper. Petite speedrun strat. Ok, alors. Tu vas faire quoi là? Tu vas faire quoi, flic noir? Est-ce que tu vas abattre un clodo? Ah non. Ok, d'accord, il a juste un peu tapé. Pour voir si t'es pas mort. Non, ok, c'est legit, c'est legit. Oh là, putain, c'est vraiment une ville mal famée, hein. Ah, il est à la droite. Je crois qu'il est à gauche. Oui, non, ouais, non, ouais, non, je suis con. Alors, l'hôtel de Villiers. Bonjour. Oui, bon, j'ai pas toute la journée non plus, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, oh, je suis commissaire, moi, madame. J'ai tout le temps que je veux. Si vous voulez consulter nos archives, faites la queue, comme tout le monde. Compris. Si c'est nécessaire, eh bien, je vais le faire. Ah, c'est à mon tour. Contente de voir que vous comprenez vite. Non mais c'est à mon tour. Au revoir. Mais c'est à mon tour, pardon. Arrêtez de me déranger, étranger. Et merde. Putain, elle me fait chier. Je peux pas la fumer. Alors ok, bon bah ça c'est fouillé. Juste voir s'il y a pas des trucs avant. Là je vais passer un petit peu de temps. Enfin un petit peu de temps, 5 minutes quoi. J'espère, tiens là. Oh mon reflet. Oh, ouais, mon reflet vite fait quoi, juste ton nom quoi. Et je peux aller nulle part de toute façon, ok. Bon, m'en fous, j'ai accès à tout ce qu'il faut. Bon, j'aurais pas d'infos du coup, fait chier, mais c'est pas grave. C'est pas grave, pas besoin. Alors, sujet. Citoyen, période. Maintenant. C'est maintenant, non? Registre. Archives civiles, ouais. Non, attends. Période, je m'en fous. Période, je m'en fous. Quartier Advent et registre.
Bah merde. Ah, mais c'est la preuve qu'il est pas bon. Bonne. Du coup, je vais recommencer, registre. Alors, l'expédition, je m'en fous, la mise en, je m'en fous, le voleur de poison. Ah, boum, trop fort. Alors, ok, blablabla, au commande, Massachouché. Adventsum, ok, d'accord. Ah, j'ai bien raison. J'ai bien raison, il a pété un câble, enfin, il tombe en dépression et dans l'alcoolisme parce qu'il a divorcé, sa femme, il a piqué à moitié du meuble. Ok, parfait. Normalement, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir ici. Il a mis tout le bug. Pourquoi ça me le note pas? Quelle note? Et carte. Ça me le note là? Mais putain, mais je le connais. Attends, on sait où. Alors, ok. Saint-Michel, Ray. Ah non, c'est. Je sais plus c'est quoi, RD. Entre Carpenter et Constitution. Carpenter et Constitution. C'est où alors? C'est où? Carpenter. Ok, Saint-Michel. Constitution. C'est là? Ça serait là? Non, attends. Ah si. Ok, donc c'est là. C'est là. Là. Okay. Hop. Merci. Pour absolument rien. Tu ne m'as absolument pas aidé. Let's go. Pourquoi il y a de la brume de ouf là? Pourquoi il y a de la brume de ouf? J'aime pas ça moi. Qu'est-ce qu'il fait à balayer? Qui êtes-vous monsieur? Quelque chose qui vous plaira. M'en fous. Ici, c'est moins cher qu'ailleurs. Vraiment chelou ces gens. Dernière nouvelle, putain d'anglais ça. Sortez de la presse, messieurs. Oui, je sais, c'est au Massachusetts aux États-Unis. M'en fous. Ah. Ah ah, peut-être ici, je peux rentrer, non? La porte refuse de bouger. On va faire le tour, hein. Découvrez les meilleures marchandises d'Augmont. Tout est à prix réduit. Là ou pas du tout de merde. Putain, mais c'est où? Ah, là. Merde, c'est vrai, le what? Mais t'as fait des popins, mais t'as fait des popins noirs. Mais ouais, mais il a des pop. Mais oula, ce jeu poteau. Ouh, il a quelques soucis. Bon, je peux pas monter. Alors monsieur, j'aimerais reporter un crime qui a eu lieu juste à droite là. Il y a eu des pop. Il y a eu du dépop. Voilà. C'est un crime racial, clairement. J'espère que vous jugerez. Ok, donc là j'y suis. Non, je vais enlever le repère. Non! Il est arrivé. Merde. Super, super, super. Non, merde. Ok, hop, alors. Ah, mais c'est pas un repère que j'ai mis ça! C'est pas un repère que j'ai mis. Bah, si. Eh, je me dis bien que ça va rien. Du coup, c'est dire que c'est pas loin. Attends, je vais re-regarder. Parce que là, je suis Constitution, Carpenter. Tu vois. Saint-Michaels, Carpenter et Constitution. Ah non, c'est là. Ouais, c'est juste, juste en bas. Ok. Ça là du coup. Alors maintenant à trouver.
Et bien voilà. Et voilà. Il a demandé. Appartement 2, ok, d'accord. Je vais quand même fouiller. Dommage. La porte refuse de bouger. Et c'est bien dommage. Alors déjà, je m'équipe. Toujours s'équiper. Tirer dans les landaux. Si vous le voulez, servez-vous, c'est gratuit. Ah. Moyen la blague. Moyen la vanne là, non. Oh les mains. Ici la police. Je fouille, j'enquête, je tire à vue. Alors. En jugé par la poussière, cet anneau n'a pas été porté depuis longtemps. Pourquoi le garder? Cuck. Ok. Putain, il a même pas fait la vaisselle. Crado, va. Ah, c'est vraiment un homme qui n'a plus envie de vivre, ça. Cartouche. Je prends. Ok, faire dans tes chiottes. Y'a rien. Okay. Putain, mais ça livre son livre à terre, là. Ça prend les éclaboussures d'eau, là. Gros dégueu. Ah. Alors, réquisition des notes du professeur. Westerbrook prend sa pause de midi vers 14h30 en général. Acheter du savon. Anna ne quitte jamais le marché aux poissons, donc elle ne devrait pas me repérer. Les arrivages de poissons frais se font tous les deux jours. Une once par casse. Par caisse devrait suffire. Le garde passe la majorité de la nuit au premier étage. Pensez à un moyen de détourner les soupçons de Westerbrook. Ne pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Ne pas oublier de rapporter la fiole au cabinet. Réfléchir à un plan B. Ce que tu n'as pas fait. Parce que tu es con. Voilà. Ou alors tu t'es encore fait piéger et là c'est encore plus deep que ce que je pensais. Attention. Ah. Non. Ah, putain, oh là là. Je viens de me réveiller et je suis déjà éclaté. Nique-toi, corps de merde. Ça, c'est un haïku que je connaissais pas. Mais je veux pas le tourner. Je veux utiliser mon super pouvoir. Oula. Merde. Merci Hoffman. Non, pardon. Merci pour les 10 balles, Hoffman. T'as mis l'intonation et tout, beau gosse. Bah ouais, forcément. Forcément, j'ai mis l'intonation. Maintenez. Alors. Je t'ai aimé. Je t'ai toujours aimé. Il ressemble, de ce côté-là, il ressemble à Zach AF. Voilà. Gratuit. Fais ce que tu veux. Non mais ça n'importe quoi. Enfin, je sais que... Ok, il... Image the robot. What can I do? Je t'ai aimé. Je t'ai toujours aimé. La hache augmentée, donc je vais tourner. Oh, quel grand prince. Non, merci, c'est super gentil, mec. En jugé par la poussière, cet anneau n'a pas été porté. Non, m'en fous. Pourquoi le garder? Putain, c'est... C'est entre le stylé et un peu homosexuel, quand même, la couleur. Mais attends, y'a rien. Mais non, mais attends, mais je loupe un giga truc là. Carnet de notes. Connaissance. Du lando, ok. Ouais, c'est bon, je peux utiliser un. Non, par contre, je loupe un truc là. Oh, je loupe un truc. Ouais, bah qu'est-ce que je loupe? Ma vision d'aigle, elle voit rien. Non, rien derrière le canapé. Un sous le tapis. Putain, l'assiette à côté du pieu. Il craquait le crado. Ah, oh, bah si, je suis con, il y a ça en fait. Alors, oh là là. Alors, danse macabre.
Les corps ne cessent de disparaître à Oakmont. La panique règne à Oakmont. Alors que les disparitions... Oh, attends. Qu'est-ce... Ok. Oui, la panique règne à Oakmont. Alors que les disparitions atteignent des nombres records aux Shells, à Salvation Harbor et à Grimhaven Bay, le capitaine Caleb Lyons, du département de police, vient de lancer un appel à la populace. Notre enquête nous incite à considérer un lien entre ces disparitions et l'organisation caritative OED, qui jouit, d'une grande popularité auprès des plus démunis ces temps-ci, affirme l'agent de police. La plupart des victimes semblent avoir rejoint ce groupe ou bénéficié de son aide. Toutes les informations sur ce sujet sont les bienvenues. Elle tient notamment à rappeler ses lecteurs. Ah non, à rappeler ses lecteurs. Non, quoi ? Le journal tient notamment à rappeler ses lecteurs d'éviter les étrangers suspects. Quoi ? Il est pas bien formulé là. Notamment à rappeler à ses lecteurs d'éviter les étrangers suspects. En particulier les natifs d'Innsmouth. Tu m'étonnes, mes potos, mais il y a un mec qui me dit je viens d'Innsmouth, mais je le claque et je fuis. Mais c'est conseillé de rester de chez soi le soir. Prudence, oui. Ok. Le professeur a fait un impressionnant travail d'enquête. Et l'OED se trouve au centre de ses recherches. Oakmont contre Innsmouth. Une rixe éclate dans les Shells. La bagarre serait liée à la disparition de plusieurs femmes et aux accusations portées par les habitants du quartier envers un certain groupe de natifs d'Innsmouth. La police d'Oakmont continue son enquête sur ces disparitions, mais pour l'heure, le mystère demeure. Une source issue des Shells, les Big Shells, les philosophes, affirme que des traces d'écailles et d'algues ont été retrouvées dans le foyer de plusieurs victimes, ce qui aura envenimé la querelle. Dans querelle, il y a Ren. Flemme de faire une blague sur les zizi. Tu ne comprendras jamais notre cause. Mon enfant est béni par la mère. George, je te quitte. Gratuit ça un peu quand même. George, je ne peux plus vivre ainsi. Je dois t'avouer quelque chose. Son gosse, il est béni par la mère. Je m'en fichais perdument de ces foutues demandes de l'OED, Anna. Je pensais que l'enfant était de moi. De moi. Ah, il s'est fait que j'avais raison. Qu'on est ici. J'avais raison. Ça, hein. George. Je m'en fichais perdument de ces foutues demandes. Tu ne comprendras jamais notre cause. Mon enfant est béni par la mère. Il n'y a pas George, qu'il chat. Je te quitte. George Cavendish avait une femme appelée Anna. Elle a eu un bébé qui n'était pas de lui, mais qui était béni par la mère et que l'OED a récupéré. Ça a causé leur rupture. Ok, ça c'était flippant. Non, je passe pas. Non, nique ta mère, le jeu, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? What? Oh, c'est quoi derrière? Oh, le cauchemar! Ça va le son quand ça gueule? Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? J'ai l'impression que ça gueulait un peu fort, mais... Je m'appelle Charles Reed. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, poteau? Pour le moment, vous ressemblez plutôt à un cambrioleur. Expliquez-vous tout de suite. Je vais te fumer, tu vas voir. C'est Anna qui m'envoie, c'est vous qui devez vous expliquer. Bah ouais, allez. Tout doux. C'est Anna du marché qui m'a demandé de vous trouver. Vous la connaissez, non? J'aurais dû m'en douter. Je la connais beaucoup mieux que vous ne le croyez. Bah non, je sais, t'inquiète. Je sais que t'étais en train de la chag. Ce n'est pas ce qu'elle veut qui est important, mais plutôt ce que vous avez fait. Empoisonner le poisson, par exemple. Oui, je peux prouver que c'est vous. Attendez. Avant de tirer des conclusions hâtives, il faut savoir que j'avais une bonne raison de le faire. Non, il n'y a jamais de bonne raison de des gens. Bon, quelle raison? Oh, j'ai hâte de l'entendre, votre bonne raison d'empoisonner des gens innocents. Bah oui, vous savez que l'OED donne à manger aux plus pauvres, n'est-ce pas? C'est bien ça, le problème. Ils ne le font pas par charité. Ils le font pour étendre leur influence et recruter de nouveaux membres. Certains de ses disciples, comme ils les appellent, disparaissent sans laisser de traces. Et il n'y a pas qu'eux. Ils enlèvent aussi des civils ordinaires. T'as des preuves? Je ne vois pas comment empoisonner des poissons pourrait empêcher ça. Vous voyez, tout le monde ne fait pas encore confiance à l'OED en ville. Certains citoyens s'opposent à eux, tant parmi les riches que les pauvres. Oh oui, une oui, rumeur ok, le poisson de l'OED est empoisonné.
plusieurs, mais ça, geste de blanc, ça. Serait suffisant pour discréditer l'OED. Qui en a pour vous? Comment Anna est-elle liée à tout ça? Comme vous l'avez peut-être déjà appris, oui. Elle était ma femme. T'as une très belle moustache, oh, d'accord. Je tiens à le lire. Je tiens à le lire. L'OED s'est emparé d'elle. Ça a commencé par le poisson gratuit. Nous manquions de nourriture à l'époque. Bon, tu me dis qu'il a 25 ans là, le bug. Leurs idioties au sujet de non, parce que la calvitie, bon. Du bien commun. Bon. Je n'y prêtais guère attention au enfin, début. Enfin, même c'est même plus une calvitie là. Il a juste plus rien. Elle était enceinte. Oui. En l'apprenant, j'étais fou de joie. Mais un jour, elle est venue me voir, cette vipère, et m'a annoncé que l'enfant n'était pas le mien. Elle disait qu'il était béni par la mère, qu'il avait été demandé par l'OED, que les enfers les emportent. Putain, quelque part un poisson. Je n'ai pas pu. Quelle tristesse. Il doit y avoir un autre moyen de combattre l'OED. Si leurs méfaits sont si évidents, pourquoi ne pas les signaler à la police? Ces fils de Muren sont rusés et pleins de ressources. Ces fils de pute, mais gentils en fait. Ils cherchent à conserver leur réputation. Et par Kay, ils sont doués pour ça. J'ai essayé la police. Ça n'a servi à rien. Et je ne suis pas suicidaire au point de les traîner publiquement en justice. Okay. Alors, béni par la mère. Que voulait-elle dire par béni par la mère? D'après vous, quelle est l'origine du syndrome d'Innsmouth? Bah, je sais pas. Le fait de vivre à Innsmouth. Vous vous trompez. Ce syndrome provient de l'accouplement avec des monstres. De quoi des monstres? De quoi coupler avec les monstres? De quoi tu parles? Ils nous prennent nos femmes et les souillent avec leurs semences. Mm-hmm. Elles donnent ensuite naissance à des créatures dégénérées à face de poisson. Oh, mais yes! Remplace poisson par, je sais pas, noir ou juif. Tu vois, c'est beaucoup plus marrant maintenant. Comment c'est que tout ça? Où avez-vous appris tous ces détails au sujet de l'OED? Après qu'Anna est partie, je n'avais plus rien. Sinon du temps pour enquêter sur les gens d'Innsmouth, l'OED et leur histoire. Il s'agit d'une organisation aussi ancienne que puissante. L'OED s'est formée au milieu du 19e siècle. Oh là, 19e, c'est 1800, et les premières personnes présentant le syndrome sont apparues au même moment. Je crois. Ah. Ça ne peut pas être une coïncidence. Bien sûr que non. C'est en 1800, quoi. Et l'OED possède une fortune immense. La soudaine montée au pouvoir de la famille Blackwood est survenue juste après une fortune immense, dis donc. Comme un certain... Que comptez-vous? Non, j'arrête, c'est bon, je rigole. Je n'ai pas pu finir ma tâche, car j'ai été interrompu. L'OED a un nouvel arrivage de poissons. Mais oui, maintenant, oui, tu m'étonnes qu'on arrête. On arrête. Oh, à blague, humour. Je sais que je ne suis pas en position de demander quoi que ce soit. Connard. Mais maintenant que vous avez connaissance de tous les faits, Monsieur Reed, accepteriez-vous de m'aider? Vous ne méritez que la meilleure. Non, j'écoute. Continuez. Qu'est-ce que vous voulez? Contaminer les poissons restants. Le poison se répand, mais pas assez. L'OED vous fait confiance. Ah, donc là, tâche d'assassinat. Comme ça. Gratuit. Mon agent infiltré dans l'OED m'a prévenu qu'ils ont reçu du poisson frais. Voilà votre cible. Non, c'est vrai, votre agent infiltré dans l'OED, là, c'est un des hauts gradés? Ah, je vois où vous voulez en venir. Vous voulez quelque chose de l'OED? Bah ouais, mon pote. Oui. J'aimerais retrouver une certaine personne qu'ils tiennent peut-être captive. Mon agent peut vous aider. Si quelqu'un est détenu par l'OED, il le saura. Tout le monde y trouve son compte. Oh, j'adore crime, bon. J'adore faire des crimes. Écoutez, je dois y réfléchir. Bien sûr, mais ne tardez pas. Bon, bah, je vais sauvegarder, puis on va partir là-dessus, hein. Enculer l'OED. J'espère que vous comprenez pourquoi. Alors, pas de la mémoire. Fais voir ce qu'il y a. Oh, il y en a plein. Oh, il y en a plein. L'empoisonnement est un sabotage. L'empoisonnement des poissons. C'était une tentative de décrédibiliser l'OED auprès de la population. Yes. George Kennedy, j'ai envoyé le passant pour saboter l'action caricative de l'OED. Non, attends. Merde. Attends. Non, il n'y en a pas assez, là. Anna est tombée enceinte sur ordre. Anna Kennedy, j'ai tombé enceinte d'un enfant qui était béni par la mère sur ordre de l'OED. Ah, dommage. Espèce de plus dans la migration. Non plus. Ah si, ça marche. Anna Cavendish sert activement l'OED et suit les ordres sans hésiter. Oh, il y a plein de trucs là. Oh putain, il y a plein de trucs. L'OED bien plus qu'une simple solution caritative, il trempe dans les affaires louches, j'en suis sûr. Ça c'est quoi? Une sale menteuse. Anna Cavendish couvre les ambitions véreuses de l'OED de s'emparer de la ville. Une bienfaitrice honnête
Anna Kennedy fait du travail de charité envers l'épidémie de au nom de l'OED. Je devrais aider George Kennedy à diminuer l'emprise de... Ok. Oh là là. Alors, on choisit quoi? George Kennedy a sombré dans le désespoir quand l'OED a pris sa femme, il va empêcher que ce soit se produise. Il est un dangereux psychopathe qui ne sait pas du tout. Oh non, un sauveur, je pense. Il a une salle menteuse. Ah. D'accord, donc je vais te faire une salle menteuse, sinon, et si là je fais un psychopathe, ça fait quoi? Aider Anna et la ville. Je devrais aider Anna à régler le problème de l'empoisonneur à sauver la ville de la famine. Yeah, mais fuck that shit, she's a bitch. She's a fucking hoe. Non, pardon, hop, et hop. Vous avez trouvé ce que vous avez dit de la faire choisir? Yes. Ok. Ouais, bah ouais, carrément. Hop, ouais, et ça, hop, hop, voilà. Je suis quand même sauvegardé. Ok, voilà. Alors. Amen, boy. Amen. Je vous ai démenti. Non. Je vais vous aider. Je n'aime ni votre plan, ni vos méthodes. Mais l'OED est une menace réelle. Et oui, bien réelle. Allez, allons l'indiquer. Vous allez rendre un grand service à cette ville, monsieur Reed. N'en doutez jamais. Je ne doute jamais. Je vais essayer. Rappelez-moi ce que je dois faire. Allez, les yeux qu'il a, par contre. Vous devez empoisonner le stock de poissons frais à l'entrepôt de l'OED. Il est étroitement surveillé, mais vous trouverez bien quelque chose. Je reviendrai plus tard. Je dois aller voir mon agent. Retrouvez-moi une fois que vous aurez fini. Voici l'adresse. Et de la ricine. Maniez-la avec précaution. Oui. C'est bien ce que je compte faire. Je suis pas encore prêt à mourir. Oui, enfin. Du coup, c'est bon, là, j'ai tout fait. Ah, non, what? Appartement de preuve claire qui perd. What? C'est pas fini? Oui. Il vous faut quelque chose? Bah, apparemment. Apparemment, j'ai pas fini. C'est bizarre. Bonsoir. Ouais, faut que j'y retourne. Ah, c'est peut-être lié à ça, du coup. Bon, bah... De toute façon, j'ai tous les indices. Bon, c'est... pas très grave. Ça a changé beaucoup trop subitement, ça m'a un peu surpris. Juste aller en face, de toute façon. Juste aller en face. Du coup, ouais, c'est hop. Par contre, la tête de l'autre là, je m'en souviens, j'ai pas oublié. J'aime pas ça beaucoup. C'est tellement bien de se balader en barque en vrai. Bah, c'est juste des petits tips gratuits. Non. Si ça marche. Hein. Ok, et à droite. Et on y est. Plus ou moins, presque. Je suis en territoire. Non, je suis en territoire, ok. Merde, c'est pas le bon. Putain, c'est derrière. Fuck me. Vraiment une merde. Du coup, là, c'est à gauche. Ah non, j'ai dû passer devant, en fait. Non, merde, putain. Eh, mec, c'est tout, je me perds. C'est la merde, hein. C'est là-bas, du coup. Oui. C'est tout droit. J'ai des... Merde, je vais voir si j'ai mis sur moi. Non, je m'arrête pas. Nique ta mère. Qu'est-ce que c'est pour eux, il y a un... Ah bah c'est là, ralenti. Et hop. Alors, tout droit. Et oui, ok. Faut voir, j'ai mission, parfait. Ah, j'ai pas débloqué le point de TP. Ah, je vais le faire. Voilà. Ah mais ça brûle ici, dis donc. Merde, pardon.
Ouais, la merde, tiens. La merde, ça. Alors. Bon, là, ça va être plus ou moins le bordel, j'imagine. Ah non, faut que j'empoisonne. Non, ça doit être tranquille. Ah ouais, ta gueule. Ta gueule, j'assassine des minorités, là. Bon. C'est quoi ce jupin ? Bonjour. Salut, Daryl. Je sers la mer. Que la mer soit louée, monsieur Reed. Content de vous revoir. Ah oui, oui. Je dois entrer. Tu peux entrer ? Bien sûr, qu'un souci. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Daryl, écoutez-moi attentivement. Si vous ne voulez pas mourir, vous devez quitter la ville, maintenant. Vous risquez gros à cause de cette histoire d'empoisonnement. L'OED cherche frénétiquement un coupable et ils finiront par découvrir la vérité. Oh, quel crack. J'y crois pas. Bah crois-moi. Daryl, je vous le dis parce que vous êtes vraiment quelqu'un de bien et que je vous respecte. Quittez. Alors j'irai un peu jusque-là, mais... Ça attaque quelqu'un de bien, c'est pas mal. D'accord. Vous avez toujours été réglo avec moi, je vais partir. Mec, tu peux vraiment enculer tout le monde là dans le jeu. C'est n'importe quoi. Que la mer vous protège. Vraiment, très triste au maximum tout le temps, quoi. Tu te barres ? Que la mer vous protège. Ouais, parfait. Alors, let's go empoisonnons. Oh, j'ai pas fouillé ça ? Ah non, c'est la nouvelle. Fiole de ricine, je peux dénoncer Georges. Pourquoi je dénonce... What? Attends. Carnet de notes. J'ai envie de le sac du passant comme j'ai dit blablabla. Je vais maintenant aller discuter avec lui afin qu'il tienne la part du marché. What? C'est bon. Tout ça pour rien. Enfin, c'est genre c'est le même truc quoi. Hop, je suis un empoisonneur. Ah oui, c'est pareil du coup. Attends, mais j'imagine, c'est pas marqué. Putain. Bon, attends, c'est où qu'il faut que je retrouve ce con. Croisement des Hawking Lin et de Reparti. Je sais pas c'est quoi les raccourcis, mais c'est pas grave. Hawking et Liberty, c'est où? Liberty. Ah, derrière moi? Ah, derrière moi, probablement. Non, attends. Ah non, devant moi, je suis con. Georges, ah. Avec ton crâne qui lui. C'est fait. Bah, dis-le à voix haute. Tranquille, pas de problème. Parfait. Cela infligera un coup décisif à la branche de l'OED à Oakmont. Mais je sais. Vous avez bien Mais je sais. Ride. Votre contact a intérêt à en valoir la peine, Georges. Il vous attend déjà au sous-sol du marché aux poissons. Il s'appelle Fred. Vous devrez lui donner un mot de passe. Vous plaisantez. Un mot de passe. Ah ouais, c'est bon, tu peux retenir trois mots, non? Oh, mais oui. Nous avons décidé d'utiliser les stratagèmes de l'OED contre eux. C'est drôle. Alors drôle, je sais pas, mais... Ça me fait tellement rire que j'en ai mal aux côtes. Enfin, voilà, j'aurais pas dit mieux. Le mot de passe, c'est... La mer est une cruelle maîtresse. Putain, t'as envie de dire un truc plus facile, genre j'aime les kebabs. Vous avez entendu parler d'Harriet Dow? Elle est professeure à l'université. Harriet... Ah oui, je me souviens d'elle. Une anthropologiste brillante. C'était toujours un plaisir de lire ses articles. C'est elle que vous cherchez? Oui. Oui. Elle participait à l'expédition des profondeurs de Throgmorton. C'est à ce moment-là que l'OED l'a enlevée. Enlever de brillantes scientifiques de l'université doit être un passe-temps pour eux. M'enculé ! Bisous. Au revoir. Alors, sous-sol... Merde, putain. Sous-sol des poissons, c'est ça ? Blablabla, Fred. Nanana. Sous-sol de le marché du poisson. Carte. Sous-sol marché du poisson. Ok, putain, c'est super loin. Je suis obligé de prendre le bateau. On est derrière, tout droit. Ok, ça va. Bah ils sont pas chiés eux, tranquille. Ouais, si, à gauche. Ok,
peut-être. Bon. Ouais. Attends, j'ai vraiment... Oh là là. Et vu que c'est chiant en fait, c'est long et un peu chiant la barque. Si tu te trompes, tu perds 5 minutes, c'est trop chiant. Alors, du coup, je préfère regarder ma map toutes les 30 putains de secondes. Et pas me perdre. De toute façon, je le fais déjà. Non, c'est à droite. Là. À droite et tout droit plutôt. Hop. Ouais, non. Voilà. Faut passer, monsieur. Merde. Oui, en bas. Ok. J'aurais pu être très loin, là. J'aurais pu être très, très loin. Et oui, hein. Merde, elle était un peu trop loin. Voilà. Mais c'est chiant aussi. T'as pas de signe distinctif pour te repérer. C'est tout le temps la merde. Franc en Pologne. Ok, tour. Ah, mais j'aurais dû viser ma TP. Je suis con. Putain, il y avait un point en plus. Quel demeuré je fais aussi, moi. Bon, là, c'est un peu tard, mais. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, qu'il fait? Ça fait cuire un rat à la broche dans un baril. Oh là là, j'ai jamais vu un truc aussi punk à chien, sérieux. Bon, maintenant le sous-sol. Oh mon Fred, oh mon Fredo, c'est du rat burger. Ah non, c'est juste du rat grillé. Sachant les steaks de rat de Demolition Man, j'ai toujours pas vu Demolition Man. Insultez-moi, ouais, je sais, mais... Ok, c'est toi, Fred. Je fouille un peu. Oh. Are you trying to tell me to use my eyes? But guys, I can use my eyes. Oh, ah. Oh là, oh là là. Oh là, il s'est passé des trucs pas super, ici. Grosse merde. De quoi, grosse merde? Ah oui, oui, d'accord, parce que je vais... Hey, j'ai vu les yeux... Qui n'avait pas de femme, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Merde, c'est comment il s'appelle le film? La femme sans yeux? Merde. Non, j'ai jamais vu Demolition Man. Il est sur Netflix, de toute façon, non? Il ne pas rentrer vite. Classique. Classique mistake. Merde. J'ai maté un film des années 60 il y a pas longtemps, mais j'ai pas vu Demolition Man. Salut. Ah, c'est sur Netflix, je le mate. Peut-être. Je mettrai tout à l'heure ou demain. C'est étrange. L'eau est agitée, le temps mauvais. Non mais t'as une phrase à dire, mec, jamais. Pas un pamphlet. Comme le dit le dicton. Ouais, la femme sans visage, voilà Hoffman, merci. Maîtresse. Qui était un très bon film. Dire. Voilà. Écoutez, j'ai une histoire qui pourrait vous intéresser. Que je conseille. Vous cherchez la professeure Dao, pas vrai? La scientifique enlevée par l'ordre. Je crois qu'on peut s'entraider. Que voulez-vous dire? Vous savez où elle se trouve? Dis oui. Du calme, l'ami. Ah merde. J'ai dit qu'on allait s'entraider. Pas que j'allais vous révéler tout ce que je sais. Tu veux que je foute une balle? Bon, j'ai vraiment le choix. J'ai pas vraiment le choix. Je dois retrouver. T'as mis d'art, tu me manqueras au début. Quel est votre prix? De quoi je te manquerai au début? Moi, au début de quoi? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas suffi. Oui, je l'avais bien compris, oui. Vous avez vu à quoi ressemble cette ville, pas vrai? Vous vous doutez de ce qui va arriver? Je veux partir avant que ça pète. Quitter l'ordre et la ville. Le problème, bon choix, c'est que c'est beaucoup plus facile de rentrer dans l'ordre que d'en sortir. Si on vous perce à jour, vous êtes mort. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aidera à quitter la ville en douce. Et ce n'est pas facile à trouver ces jours-ci, mon ami. Je vois pas du tout comment je pourrais vous aider. Vous êtes pas détective? Il y a des gens dans cette ville, des contrebandiers, qui savent comment faire. Oh, fais chier. Trouvez-les. Voilà comment vous pouvez m'aider. Écoutez, j'ai entendu des rumeurs sur des annonces dans le journal. Une nouvelle chaque semaine, parlant de Salvation Harbor. Vous pouvez peut-être commencer par là? Eh ben, on va essayer. C'est un sacré d'accord, service. J'enquêterai là-dessus. Mais votre tuyau sur la professeure Dao a intérêt à en valoir la peine. Je sais où il la garde et comment s'y rendre.
Trouvez-moi juste un moyen de partir d'ici rapidement. Négociation terminée, j'accepte. Trop mort pour vous être utile. Aïe. Bon, j'adore la petite animation de passage en glissant chelou là, mais j'aime bien. Du coup, faut que j'aille, là, hein. Ouais, dans le Oakmont Chronicle. Il y a un point de TP et je vais m'en servir comme quelqu'un de décent. Voilà. J'adore l'effet d'eau sur le blouson et le chapeau. C'est pas mirobolant, mais c'est joli. Et moi, j'aime bien. Putain, j'ai utilisé mirobolant, quand même. Même moi, je m'étonne, sérieux. Normalement, je suis un gros con, mais... Fais belek. Hein. Des fois, ça marche. Alors, voilà, le jeu, tu te calmes. C'est là-bas. Attends, je vais te faire tout le tour là. En effet. Si tu utilises mirobolant, mais même pas ça, regarder des mochettes, man. Ça va, chelou, bye. Excuse-moi, au feu maneux. Je n'y peux rien. C'était pas le bon chemin du tout. Et ça se trouve, il y a déjà donné l'adresse. Attends, quoi? Mais merde, faut que j'aille à Old Grove. Comme ça. Wait, the fuck is Old Grove? Ah, celle-là. Et celle-là sans manoir. Et je suis où, moi? Oh, mais ça va, en fait. Mais je suis super intelligent. Parce que je ne le savais pas, mais c'est là qu'il fallait que j'aille. Il fait froid ici ou ça vient de moi? Non, moi, il fait bon. Moi, j'ai mon plaid, il fait bon, là. Il fait même tranquille, si j'ose dire. Alors du coup, tout droit, à gauche, à droite, à gauche. J'ai oublié déjà. Je suis super intelligent, doubt. Ah bah ouais, j'ai quand même fait trois fois malin. Lul. Hey, je pleure à l'intérieur là. Bon, après ça à droite. Après on ne peut pas quantifier l'intelligence, voyez-vous. C'est ni l'endroit ni le moment. J'ai juste envie d'arrêter des monstres marins là et de perdre ma, de perdre mon esprit dans la folie. Même si c'est ce que je fais déjà. Yes. Je m'en fous. Je fuis. T'as envie de Ocean Man, t'aurais eu la ref. Eh bah c'est bien de faire des rêves dans un film que j'ai pas vu et que je viens de le dire que je l'ai pas vu. Nice. Et malin ça. Oui, ça fait trois fois CL1 quand tu connais un mec antisocial qui a réussi à avoir son BTS First Try. Ah, j'aurais pu avoir mon BTS First Try, hein. Si j'étais pas tombé dans une école de Kato. Et si j'avais pu changer de langue aussi, surtout. Ah, donc je sais pas, c'était ok. Moi, j'ai pas pour moi, je t'emmerde. Moi, je le vis bien. Ah, pour le coup, ouais, toujours bien la photo Kato à ces fils de pute. Alors, monsieur le Sing. Je sais qui se cache derrière l'enlèvement de la professeure Dao. Il s'agit d'une organisation appelée l'ordre de Dagon. Espèce de raciste. La plupart d'entre eux restent au marché aux poissons. Mais ah, j'étais vraiment dans un... Même à l'université. Dans un lycée de Kato pour faire mon BTS. Je savais que l'OED cachait quelque tourné. Chose de louche. C'est l'antre de ces sales gens d'Insmus. Je le démantèlerai de mes mains. Oh, calme-toi, par contre, hein. En réalité, la plupart des membres que j'ai rencontrés venaient d'ici. Et par ailleurs, le seul homme d'Insmus à qui j'ai parlé était très correct. Vous feriez bien de repenser voilà, vos préjugés. Voilà, dans ta mère. Me traitez-vous d'ignorant, Reed ? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Je me base sur votre conduite. Ceux d'Insmus ne voulaient pas finir ici. Ils ne sont pas venus pour vous nuire. Votre haine ne leur laisse pas le choix. Ils doivent rendre les coups. C'est un cercle. J'aime pas de vivre au fun. Parquet. Ils ont tué mon fils. Certes, un d'entre pas eux tous. L'a fait.
pas tous. Voilà. Si vous continuez à tous les peindre avec le même pinceau. Ça m'a le tourné, ouais, ça m'a le tourné. Merde, pardon, je vais pas. Le seul à avoir accueilli les gens d'Innsmouth, et c'est de là qu'il tient son influence. Quand on me dit de te raser complet parce que ta barbe ça passe pas ou qu'un pull ça fait pas bien, nique ta mère un peu. Revenons à nos moutons. Je continuerai de chercher la professeure d'art. C'est bon, j'ai pas étalé ma vie non plus. Une piste prometteuse. Voilà pour ça. Avez-vous autre chose à dire ? C'était il y a longtemps. Votre mission reste inchangée. Trouvez Harriet et ramenez-la moi. Vous affirmez que nous avons affaire à une organisation tout entière. Eh bien, j'ai pour vous quelque chose qui devrait vous aider si jamais les choses dégénèrent. Et maintenant, partez. Ah mais il est cool, bon, mon perso, il est super cool. Hein. C'est quoi ? Oh, y... Oh yes! Oh! 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 Mais je suis aux anges! Ah, nouvelle quête! Ça a Pumped Up Kids! Ah, mon pote, mais là, ça a Pumped Up Kids dans tous les sens! D'ailleurs, en parlant de Pumped Up Kids, aptitude. Permet de charger deux autres cartouches. Je veux. Avant d'aller chier. Ensuite, inventaire. Ça, morceau de métal, I don't have, I am the pick fuck. La musique est go. non, tranquille. J'ai que deux balles, je vais pas aller loin à la poteau. J'attendrai avoir plus d'émissions en Pumped Up Kids dans les chaumières. Après, je peux avec ça, hein. Je peux faire ça, tu vois. Hop, voilà, ça. Puis je peux assassiner tout le monde, tu vois. Tu vois, c'est des ennemis, c'est... Mais voilà, tu vois. Mais non, je le ferai pas. Alors, Fred affirme, tu le singes. Non. Je ne fais pas ce qu'on me demande. Non mais oh, tu arrives pour qui ? Ta pute ? C'est moi, il fait qu'est-ce que je veux. Et si je veux pas le tuer, je le fais pas tuer. Si je veux le tuer, je le tue. Je fais le crime quand je veux faire le crime. Du coup, faut jaillou. Je vais dire blablabla. D'accord, donc faut bien que... Ah, mais c'est son fils. Ah. Ah, le visage en moins. Ah. Mais c'est un cube. Ah non, c'est un gâteau. Oh, mais je suis trop con. Mais pourquoi il mange un gâteau qui ressemble à son fils? Mais vous êtes complètement malade! Et bien sûr, je me fais une petite. Bien sûr! Mais quoi, de quoi? Gâteau! Comment j'étais censé voir que c'était pas du gâteau? Ah! Where is my barcouze? Peut-être ton fils est en gâteau! Mais non, ton fils est pas en gâteau, ton fils il s'est fait embrocher sa mère! Bon ok, j'ai envie de pop Snookies dans la chaumière, mais j'ai pas assez de balles, ça fait chier. En marbré même. Ah ah, elle est marrante celle-là. Non, mon bateau il s'est TP. Il a changé de BR. C'était pas digne. Oh merde, pas digne du bateau. Quel dommage. Est-ce que je serais digne du gâteau? Alors, du coup, faut que j'aille... Bah juste en bas en fait, du coup, le chemin inverse. Putain, j'aurais pu me garer là, je suis trop con. Alors ça sync tranquille, ça sync bien. Ça sync pépère, ça c'est bon, ouais. Le temps est couvert, il pleut un peu mais ça va. Vous étiez voir quoi au ciné du coup? Ça change les Venise. Pas tellement. Pas vraiment d'ailleurs. Gauche. Jumanji 2. C'était coolos. Ah, j'ai pas entendu grand chose à part que. À part que les vannes elles étaient pas ouf. Non. Ah si, je crois qu'en français les vannes elles étaient pas ouf. J'ai entendu quelques reproches. Mais qui étaient. Ah si, qui perdit son objectif un peu de vue. Voilà, c'est ça. Il perdait son objectif de vue. Enfin, il s'éloignait plutôt du Jumanji de base.
et que les vannes elles étaient en français, elles étaient un peu clacos, mais bon bah ça, ça c'est j'ai envie de dire, c'est tendu quoi. Mais sinon à part ça ouais, apparemment il est sympa, mis à part ça. Ouais d'ailleurs t'étais pas là au début de stream, mais juste avant le stream j'ai maté Ad Astra. Je sais pas si t'as entendu parler, c'est avec Brad Pitt, il est sorti cette année dans l'espace. Et faut que tu le regardes. Il faut que tu le regardes. C'est, ceux qui étaient pas là au début, faut vous le regardiez. Parce qu'il est. Il est tellement bien. Bah je l'ai fini 10 minutes avant le stream. Voilà, j'ai commencé à 18h. À 19h50, le film a fait « Ah, il est l'heure, poteau !» Et c'est ouf, mec, c'est ouf. Les visuels, ils sont... C'est pas le truc considéré comme le 2001 du pauvre. Ah, j'ai eu aucune vibe 2001 Lycée de l'espace, mec. Alors, je vois pourquoi, mais je trouve pas du tout. Parce que c'est absolument pas froid. Pas comme le réal l'entend, j'ai oublié son nom. Hein. Oui, bon, très connu, je m'en fous. Pas comme le réel l'entendait. Enfin, même si c'est ancré dans le réel, c'est vraiment pas du tout comme 2001. Ouais, j'ai compris, mais j'explique pourquoi. C'est pas vrai, quoi. Mais ouais, il y a des plans, ils sont. Ça m'explose la rétine, sérieux, c'est trop joli. Et Brad Pitt, il joue super bien le perso. J'ai kiffé son interprétation. Et voilà, j'ai mangé bien manché. Mais c'est les vannes en français, je vous le dis, puis un pige que ça rend pas bien, du coup ça m'a choqué, c'était un peu mal traduit comme d'hab. Ouais, bah, le seul truc. Bah saute. Seul truc qui rend à peu près bien en français, c'est les vannes de South Park, et encore, c'est juste parce que juif et noir, c'est rigolo quoi. Voilà. J'ai 5 ans et demi. J'ai 5 ans et demi, sérieux. Mais ouais, non. En VF, vas-y, tellement de pertes, c'est triste. Curieux que c'est ultra faux, ultra méthodique, ouais, voilà. Ad Astra, absolument pas, mec, il y a des couleurs chaudes. Hop. Mais en tout cas, je le conseille de ouf. C'est un bon moment, il tient bien en haleine, en plus. Il est vraiment bien rythmé. Non. Putain, mais vas-y, j'en ai marre de me... Oui, c'est de l'autre côté. Oui, j'ai bien... Oui. Ah. Attends, je suis perdu. Attends, je discutais, mais je suis perdu. Putain. Là, ok, voilà. J'aime pas beaucoup de Kubrick, je dois dire, à Parfum de Tajikès. Bah... Ah, j'ai quand même bien aimé 2001 de l'espace. Mais bon, c'est pas... C'est pas pour des raisons juste comme ça, c'est pour juste que j'ai aimé. Je te conseille Demolition Man. Oui, je vais le mettre après le stream. J'ai sûr pas vu Demolition Man. Mec, j'ai vu un film des années 60 français, j'ai pas vu Demolition Man. Je fais n'importe quoi, sérieux. Si, j'ai maté aussi... J'ai maté aussi le sequel de... Fast and Furious, Hobbs and Shaw. C'était n'importe quoi, mec. J'étais dans mon pieu, le film il était en fond sur la télé, c'était n'importe quoi, vraiment. En vrai pour un film d'été mon gars, c'est ce qu'il faut, hein. C'est n'importe quoi, c'est brain dead, mais c'est trop marrant. T'es chaud pour Fast 9 du coup? Non, c'est pas une préquelle, c'est une sequel, Nick. Et y a pas beaucoup de Fast et Furious, hein. Franchement, je crois que le film il fait 1h40 je crois, un truc comme ça. À 50 minutes, je me suis dit, ah, enfin du Fast and Furious, mais les gars, putain, ça se faisait attendre. Putain, Fast 9, mais attends, mais mec, c'est quoi la fin du 8? J'ai complètement oublié le 8. Non, j'ai dit sequel, sequel, c'est petit équel. D'ailleurs, il fallait voir un 2, voilà, c'est cadeau. C'est un spin-off, ah oui, spin-off, pardon, pas sequel. My bad. Faites attention à vous. Nick. Mais ouais, va y avoir un 2, c'est trop marrant, sérieux. Ils s'en battent les... C'est vraiment Jason Statham, The Rock, ils se vannent. Voilà, ils se vannent pendant 1h30. Il y a The Rock, il se tape la sœur de Statham. Statham qui se tape une russe. Ça veut rien dire. Et des fois, il y a des courses. Voilà. Il y a Idris Elba, c'est un méchant. C'est le Black Superman. Fin de l'histoire. Alors, personne. Ah mais attends, comment je cherche ça, ouais.
Par le biais des annonces. Alors, quartier. Salvation Arbor. Catégorie petites annonces. Et. Personne civile. Ok, c'est liberté. Ok, non, ça marche pas. Putain, je vais t'enlever. Hobbs and Shaw, il est gueulerie, mais il se passe pas. Oh non, ah, non, non, clairement, c'est pas mirobolant du tout. Mais c'est rigolo, quoi. Je vois pas autre chose que dans les petites annonces, en fait. Oh bon, je suis un croc. Alors qu'on a monté Rambo 5. Ah, faudrait que je le mette aussi Rambo 5. Vu qu'il est disponible à l'achat en Blu-ray. Oui, ça y est, j'ai utilisé mirobolant une fois, Hoffman, il l'a ajouté à son vocabulaire, hein. Stream, il a explosé ? Non, chez moi, tout va bien. Non, il est juste con, le stream, il a pas explosé. Attends, je regarde, si jamais. Non, pas que, ok. Il y a pas des cons, c'est un choix. Alors, l'heure est venue pour Bob Dédlé-Denté de faire son dernier voyage. Cette fois au croisement de Calmshore Street et de Salvation Raid. D'ailleurs, c'est quoi les... Enfin, si, ça, c'est Street. C'est quoi RD ? Parce que BR, c'est Boulevard ? Mais RD, je sais pas ce que c'est. Au bar Stephen Hawks, à l'aise de Simulation Arbor. Ok. Pas de problème. Ok, nice, nice. Il est juste con. Rose. Ah. Plus c'est facile, moi, je trouve. Attends, bah du coup, c'est quoi le reste? Attends, parce qu'il y en avait un autre que je savais pas non plus. Ça, c'est Road. Ça, c'est Avenue. Ça, c'est Street. Ah, bah c'est tout. Ah, bah c'est juste... D'accord. Bon, c'est juste Road que j'ai, pas. Ok, bon, ça va. Je suis moins con que je pensais. Mais du coup, il faudra que je mette Rambo 5. J'aille lui lire ou pas, ou j'y aille tout court. Bah, je vais aller au bar, hein. Moi, ça donne une excuse. Où le bien. Pareil que ça va. Putain, pareil que ça va. À l'ouest, ok. Calmshore Street. Salvation Road. Seven Oaks. Ok, alors Calmshore Street. Attends, j'ai oublié c'est quelle région. J'ai un cerveau de 1. À l'ouest. Là, à l'ouest. C'est où l'ouest? Ouais, laisse, laisse, c'est les nazis. Ok, c'est bon, j'ai. Alors, Salvation. Salvation, where are you, Salvation? Il y a justice. Il y a freedom. Putain, j'ai l'impression d'être un enquêteur. Ah, Calmshore. Ah, ah. Oh. Olé. Olé, oh, oh. Ça sent bon. Ah, ça sent bon. Ça me... Ah, oh. Ok, alors. Alors, du coup... Je... Ah, je... Tu souffles? Ah. Chez moi, il y a que dalle. Hier, ça a soufflé fort. Hier, ça tapait contre le Velux. Mais là, là, ça va. J'ai l'impression qu'on n'habite pas dans le même pays, wesh. Putain. Du coup, Calmshore Street, Salvation Road, au bar Seven Oaks. Ok. Du coup, c'est bien là où je regardais. C'est bien ici. Calmshore Street. Merde, putain, non, je vais pas faire ça. Trou du cul. Voilà, hop. Alors, ok, bon. J'aimerais que les volets vont exploser. Bah, c'est. Bah. Attention. Bah, madame. Bah, madame. Bah, madame. Je vous en prie, non. Ne tirez pas, monsieur. Oh, j'ai envie. Il est complètement fou. Alors, après, je vais me faire exécuter, c'est bon. Tu sais, quand je tue des gens, je deviens juste fou. Voilà. Voilà. Tuer des gens, ça fait rendre fou. C'est pas moi qui lis, c'est le jeu. Le jeu a toujours raison. Veuillez croire en le jeu. C'est pas du tout un monolithe. Qu'est-ce que j'ai loupé? Un cul. Mis à part ça, pas grand chose. Alors, oh, c'est giga loin. Oh, y a pas de point de TP. Bon, alors. On était au bar tout à l'heure aux trois brasseurs à Nantes. Mon gars sur le chemin vous a failli s'envoler. Ah non, mais bah tout à l'heure j'étais à la fac. Mec, si ma casquette elle était pas bien mise, j'ai retrouvé plus. Hein. Vraiment. À un moment j'ai senti, je fais oh là là.
C'est la Dark Stream, yes, quel plaisir. Du coup, gauche. Oui, ma gauche. Là-bas. Ok, ok. Là-bas. Non. Va là-bas, du coup. Ah bah si. Mais c'est galère aussi, là, la barque. Regarde-moi la ville, mec. Comment tu te repérais bien là-dedans? Pittoresque. Autant perdu dans les jeux que dans la vie. Et il pêche. Cet homme pêche. Ok, Mourland. Ah bah je peux y aller en bateau si je tourne à Smith. Les trois sabreurs. Oh mon gars. Mais attends, mais c'est un truc à faire ça. T'appelles ton bar les trois sabreurs et... Tu sabres. Voilà, ni plus ni moins. Ni plus ni moins, tu sabres littéralement tout ce qui passe. Saucisson, bière, alcool inexistant, ça voit tout. Client, tu sabres. Let's go, c'est parti. Concept. Ouais. Que je veux faire... Non, ouais, non, non, je veux pas. Non, ouais, non, je veux pas. Je veux dire, est-ce que je peux faire un trick, mais en barque, ça va être un peu compliqué là. Et là. Ok. L'autre côté, putain. Alors, par contre, on discute, mais. Moyen rassurant là. Là c'est juste aller tout droit. Mais cassez-vous la poubelle. Oh là ouais, c'est plus que moyen rassurant là. Oh. Aïe. Ok. Je me tire. Non, zone infestée, c'est mort. C'est pas parce que j'ai eu un shotgun qu'il faut que tout de suite tu aies un. Non, non. Ça, c'est pas la peine. Déjà que je viens de tuer des innocents. D'ailleurs, j'ai pas assez gagné d'XP pour. Ok, je suis bientôt arrivé. Okay. Hop. Alors. Non, pas que le fasse avoir. Hop. Ok, we're back in business. Ok, attends, je vais juste prendre ça. Voilà. Oh, il est beau quand même. Ah, il est beau. Oh là là, regarde-moi cet assassin, sérieux. Sur le côté, là, un peu rangé. Bon, pas trop rangé, mais... un peu quand même. Ok, bon. Allons au bière. Quoi, vas-y. Comme... Ah oui, non, non, mais ça pop, ça dépop. Y a... Hein. C'est Cthulhu, on va dire. Mets ça sur le de Cthulhu. Alors, le bar. Le bear. Where is the bear? Celui-là, je suis arrivé. Attends, je vais ranger, vas-y. Bah merde. Elle me dit pas qu'il fallait que je retourne voir l'autre con. Bon, après, là, je viens de débloquer un point de TP, donc au moins ça s'est fait, mais... Attends, je suis fou, mais il est censé être là, non? Attends, carnet de notes. Croisement de Calmshore Street et de Salvation Road au bar Stephen Hawks. Ouais, Calmshore Street et Salvation. Je suis pas fou. Calmshore? Normalement, il est là.
Il n'y a pas plusieurs. Non, il n'y en a pas plusieurs. Ah, mais normalement, il est là. Sans de pas rentrer nulle part. Ah, ah bah, pff, vas-y, vas-y. Ah. Ouais. Pardon. Pardon. Ah, là. Ah, vas-y, c'est marqué sur la porte. Oh, tavernier. Une pinte, s'il vous plaît. Oh, mon manteau. Mon petit doigt m'a dit que certains habitants d'Oakmont pouvaient m'aider à quitter la ville. Il dit ça comme ça. Peut-être. Peut-être pas. Qu'est-ce qui vous fait dire que je les connais? Je suis flic. ouais, Bob l'Édenté. Il paraît qu'on organise la veille de Bob l'Édenté dans le coin. Au compagnon. Ça se pourrait. Mec, mais... Madame m'a jamais parlé de vous. Il a tellement des yeux éclatés. Il va falloir me prouver que vous êtes pas un détective ou un truc du genre. Ah, mais je suis détective. Je travaille pour monsieur... Enfin, vous pouvez me faire confiance. Singe. Demandez à monsieur Throgmorton, il se portera garant. C'est vrai qu'il y a un petit air de Stallone dans ses yeux-là. Parce que vous avez bossé pour ce singe. Un petit air de vieillesse qu'on a un peu trop connu. Mais bon, vous êtes encore en vie. Ça doit vouloir dire que vous avez un talent quelconque. Ouais, j'en ai trois de talents quelconques. Un petit service alors. Un 1911, un revolver et un fusil à pompe. J'ai un colis qui aurait dû arriver il y a belle lurette déjà. Putain, mais faut que je fasse encore. Passé. Je vous laisse découvrir pourquoi. Va te faire enculer, toi. Putain, j'en ai vu des films de Stallone. Si vous le trouvez pas, rapportez-moi le paquet, pigé. C'est une caisse pleine de remontants, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois. Il dit ce cocaïne. Au revoir. Alors, hein, faut que je vais où? Alors, ok. J'ai deux talents, un dans chaque main, tu veux les tâter? Ça, c'est vachement pédé, quand même, aux fans. En venant de toi, je suis pas... Enfin, que j'étais assis, tu vois. De ouf pour les yeux. Merde, on voit pas bien en zoom. Enfin, sans zoom. Pour cette ville de Schiffmoll. Pour bander dur. Bandera quand on aura envie de bander. Tu sais ce que disait ma grand-mère avant qu'on s'encule à l'alcool. Ma famille est très rigolote. Blablabla, ok. Dans une maison sur Levy Coffin Avenue, non loin du croisement avec Marsh Avenue. Oh, Grivenman Bay. Mais non, mais attends, mais c'est super loin. Grivenman Bay. Mais non, mais gros, mais il me fait voyager. Putain, et Big Ben, je t'encule. J'ai juste envie de faire l'histoire. Alors, Levy Coffin Avenue. Croisement Marsh Avenue et... Ok, attends, Marsh Avenue et... Coffin Avenue. Alors. Ok, Marsh Avenue. Levy Coffin. Bah, je suis un génie, en fait. Je suis un génie. Ah ah, territoire infesté, c'est rigolo, ça. Bah, c'est là. Ouais, non, c'est là, ok. Bon, bah, let's go, hein. Encore un peu de barque. Je sais que vous aimez ça. Ouais, bon, de toute façon, ouais, ok, ça va être découpé un peu en ville. J'ai pas point de TP là. J'ai pas de point de TP là-bas. Ça serait trop bon. Ah non, forcément, j'en ai pas débloqué. Ouais, non, j'en ai un là-bas, mais. Et ça sert à rien, ça a 15 bornes. Intéressant, terrain de famille. Ah bah. Intéressant, je sais pas, mais. Mouvementé, ça, oui, clairement. Attends, on tire sur des pauvres. Bah, sors dehors. Attends quoi? Là, tu vas à Paris, ligne 13. Tu peux y aller. C'est cadeau, c'est. C'est. Petit tips comme ça, mais t'inquiète. Shooting range. Et c'est chiant, il n'y a pas de sauvegarde auto. Et le jeu, il fait des trucs comme ça. Pareil, c'est un peu loin. Eh, il faut avoir de l'ambition dans la vie. Ah bah, je vais juste descendre. Oh, je passe. Yes, j'aime parier la voiture. Aïe. Aïe, oui. Okay.
Oui, oui, je descends là. Je trace là parce que c'est chaud. Ah bah non, même pas. Attends. Où je suis? Là. Ah si, je descends là. Je vais en bas. Et je suis à côté. Oh, ok. Ok, c'est bon. Ok. C'est un fameux 3 meufs, hein, comme un oiseau. Ah, il fait beau. Bon. Alors. Là. C'est vraiment une ville de... Je sais pas comment on peut décrire une ville comme ça. La pittoresque encore, c'est trop beau pour eux. Vraiment la merde. Les dernières nouvelles à être sorties de la presse, monsieur. Hop, voilà, ça c'est fait. Hop, je descends là. À dire que j'aurais... J'aurais bien vu ça avant, j'aurais pu me TP partout. Il y aura sûrement quelque chose qui vous plaira. Perdre mon temps en birk. Ok. Alors. Bah j'ai pas trop le choix là, mon pote. Hein. Va falloir se faire violence. Alors, avant, on va... T'as combien de barques? Infini. Jutsu. Barque no jutsu, voilà. J'en ai une à chaque ponton. Comme les marins qui ont une meuf dans chaque port. Mais c'est pareil. Mais juste avec des barques. Donc du coup, c'est censé être là? Oh, faut pas fouiller. Non, par contre, attends, tu vas saouler là. Ok, voilà. Il est quoi? On ressort. Pourquoi faire? Alors faut vite que je trouve. Sa mère. Oh, il y avait tellement de trucs. Putain, j'ai plus de balles. Je vais tester ça. Ok. Oh là là, ça tombe. Il me faut de la vie. Pique-toi. Mais pique-toi. Oh, merde, je vais rap. Mais. Putain, faut viser. Voilà. Ok. Hop. Voilà, dans ta rate. Ok. Le bruitage du flingue, il est claqué. Ah non, mais moi ça me fait rire. J'aime bien le petit bruitage. Bah ça fait très... paralyse, très cartoon. Et moi j'aime bien, moi. Alors là-bas, il y a un ennemi. J'ai plus que 2 balles. Est-ce que je peux en craft? Attends, aptitude... Ah, j'en ai pas. Ok, carte, inventaire, voilà. Déjà, je vais faire ça. Ensuite, oh là, poudre. Attends, je vais faire 1, 2, 3, 4. Voilà, hop. Voilà, ouais, au moins, c'est bon. Changer tout ça. C'est enfin qu'ils savent que c'est la merde. Je sais pas si c'est des zones à nettoyer ou si c'est juste des no man's land, quoi. Par contre, il fait tellement mal. Mais attends, comment je trouve l'appartement là? Une caisse, mais... Ah, j'ai pas fini de fouiller. Ah, yeah, nice. Tout le premier soin. Oh là, et la musique, elle est... Elle fait comprendre que c'est pas une super zone, quoi. Oh non, non. Allez. Berbé, je me casse. Bon, il est où ce con? Il est où ce con? C'est pas marrant. Corridia, c'est pas marrant.
Mais alors, du coup, alors, il y a double shotgun. Je sais pas. Dans une maison sur Levin Coffin Avenue. Ah, sur Levin Coffin Avenue. Donc, c'est tout là, en fait. Ah, là. Enfin qu'elles sont marquées, les portes. Enfin qu'elles sont marquées, les portes. D'abord faire le sous-sol. Oula. Oula. Le résultat d'un objet lourd, doté de roues. Merci. Non, mais merci. Hein. Bon, bah je prends... Ok, il y a un mur invisible. Enfin si, du coup si, mais il est visible. Et il fait glu-glu. Ah non, il fait pas glu-glu, tu niques ta race. Je m'en occuperai après. Le sang est presque sec. Ok, donc ça fait longtemps qu'il est meurté. Esta gasolina. Oh. Vide. Mais ça pue l'essence. T'en as fallu, hein. Et hop. J'en ai déjà vu descendre comme ça. Ouais. C'est un moyen comme un autre de se débarrasser d'un corps. Enfin, il en reste là J'en quand même. J'en ai déjà hein. vu descendre comme ça. Ouais. C'est un moyen comme Pourquoi un autre. Pourquoi la caméra elle part en full méga zoom. Ok, hop. De l'alcool comme dans les repas de famille d'Yadar. Quoi? Pourquoi tu parles de rabat de famille là d'un coup? Ok, la cargaison. Comment ça c'était caché derrière un mur? Non, attends. Ouais, mais attends, non, c'est pas fini. Je peux fouiller en haut. Bon, je crache vraiment pas sur du loot là. Oh sa mère! Merde! Non, ça marche pas. Non, merde! Merde, ça marche pas, putain! Bon bah... j'ai plus de balles. Bah j'ai plus de balles. Génial ça, c'est cool. Ça. Bon bah j'ai recréé la scène de crime. Comment? Bah merde. Attends. Après ton stream va regarder Demolition Man, tu regarderas le radif, ton truc d'alcool et enculé de famille, c'est sévère. Bah non, c'est juste bois à la gueule. De quoi c'est sévère? Alors, c'est quoi? Soyez sans pitié, il mérite que ça. Oula. Débarrassez-vous de lui. Il ne va rester que ses cendres. Pigé. Mais pourquoi il y a professeur Xavier là? Troc! Quel imbécile a eu l'idée de cacher les caisses de cette manière! Oh là! Bah je dirais 1, 2, 3 en fait. Ah putain, il y a un 4. Oui, non, forcément il y a un 4. C'est fini, gamin. Personne ne me dénonce aux flics et s'en sort vivant. Attrapez-le, les gars! Attrapez-le, les gars! De démêler tout ça. Bah, hein? C'est fini, gamin. Personne ne me dé... Soyez sans pitié. 3. Débarrassez-vous de lui. 4. Il ne va rester que ses cendres. Voilà. Troc ! Quel imbécile a eu l'idée de cacher les caisses de cette manière ? Quoi ? Et du coup, 1. Troc ! Quel imbécile a eu l'idée... 2, 3, 4 ? C'est fini, gamin. Personne... Soyez sans pitié. Débarrassez-vous de lui. Il ne va rester que ses cendres. Pigé ? Ah. Quelqu'un cherchait une caisse ici. Et s'est fait brutalement assassiner. Ah d'accord, ok. Les coupables répondaient aux ordres d'un homme en chaise roulante. Alors, fais voir. Pas les mémoires, non, pas d'indice, on s'en fout. Ok. Attends, je pouvais pas... Oh, j'ai bouffé ça. Ma mère, je me souvenais que je peux pas les enlever ça. J'ai pas une attaque au corps à corps. Attends.
Alors, je vais regarder parce que c'est bizarre. Il disait tirer gadget, ouais, interagir. J'ai carte, non. Détectiel, non, non. Ah, mêlée. Oh putain. Bon, eh ben, moi c'est fait. Ok, alors, yes, des balles, parfait. Putain, une. Eh, sur l'image, on avait plus qu'une, hein. Tu mens. Ok, oh, cartouche, nice. Non, non, je j'ai pas cherché. Je les ai démontés. Poudre à canon. Bon, ça, c'est tout ce qu'il me fallait. Bah, du coup, faut juste que je... Ah, oh, bah, je vais pouvoir me TP. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Il est où le point de TP? Il est juste là-bas, ok. Non, mais c'est... Même pas en rêve, en fait, juste même pas en rêve. Voilà, hop, fuis, juste fuis. Juste fuis, le quartier il est fini, il est paumé celui-là, c'est mort. Ok, Jésus. Juste pour je vais me TP. Parce que là, me retaper 15 ans de barque, là je. C'est au-dessus de mes forces. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Putain, 1h du mat. Putain, mais le temps passe vite quand on s'amuse. Ok. Mais obéir. Hop. Obéir. Allons-y. J'aime pas. Pourquoi il y a un point de vue sous-marin là? Je n'aime point ce que vous me donnez, monsieur. Enculé. Oh putain. Bah. Merci. Envoyez un remerciement. Merci Zavak pour le resub, c'est plaisir. Putain, 12 mois, mais dis donc. Mais c'est qu'on aura un badge de PD maintenant. Ah bravo. Respect. Respect. Ah non, c'est beaucoup. J'ai mis la main sur le livreur. Désolé, mais il est mort. Apparemment, on ne voulait pas qu'il parle à la police. Et on l'a proprement massacré. Quoi? Par qui je suis foutu? Il va penser que j'étais dans le coup. Il. C'est qui le PD? C'est qui le PD? Non, merci, pote. Patron. Peu importe, je veux mon info. C'est pas mon problème. Dites-moi simplement ce que je veux savoir. À qui dois-je m'adresser pour quitter la ville? Vous faites erreur, mon vieux. C'est bel et bien et votre merde. Problème. Bon, le bah, patron, je vais t'aider, c'est bon. Traverser. Tous chiants là-dedans. Verra à l'étranger. Vos instructions. Après ça, va falloir vous débrouiller tout seul. Merde. Ok, merci. Tenez, votre remontant. Je mets un don chiche. Pas si fort, mon vieux. Pas mal, l'étranger. Vous méritez bien un petit quelque chose en retour. Adieu. Ouais. Au revoir. Alors, allez voir. Contrairement d'un côté, un homme en chaise roulante a fait un exemple du Bible. Ok. Alors, ensuite. Point de rendez-vous, une allée de Windmill Avenue avec Octopus Avenue et Skipper. Ouais. Sud de Salchon Harbor. Question, qu'est-ce qu'on fait d'un chien errant? Le chien est enragé, il faut donc le tuer. Yes! Ah, la joie de vivre! Alors, Salvation Harbor, ok. Et c'est Windmill Avenue, Octopus et Skipper. Ok, alors, Windmill, Octopus et Skipper. Windmill. What? What? Attends, c'est que du terrain? Ah, Windmill, Skipper et Octopus. Ah merde. Là. Hein? Attends, merde. Windmill, Octopus et Skipper. Ah merde. Bah. Là, il y a Windmill, là, il y a Octopus, mais il est où Skipper? Ah bah là bah je suis con. Ah mais c'est bizarre. C'est bizarre là. Ça y est, Octopus Avenue. C'est bizarre.
On n'a pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Ouais, ça fait bizarre dans ma tête que c'est pas vraiment mettre un point, mais hop. Ah, c'est une allée en plus. Oh, yes, super, c'est bien trouvé ça. Bon, j'aurais peut-être dû dire que c'était mon problème, mais bon. J'espère que je vais pouvoir continuer l'aventure. J'espère qu'il n'y a pas de... Oh non, eh, s'il y a du softlock, par contre, je vais péter un câble. Venir sur une meuble, c'est comme Popo avec un texte. Ah, mais dégueu. Mais non, mais là, la map, elle est grande et en même temps... Enfin... En jeu, elle est pas si grande que ça. Ah, dégueu. En jeu, elle est pas si grande que ça, mais... À lire, elle est gigantesque, je trouve. Mec, il y a tout ça. Il y a tout ça avec que des quartiers différents. C'est trop chiant. Puis, je suis pas un liseur de cartes. Je connais pas les cartes. C'est pas l'air de cartes. Je suis pas cartomancier, moi. Non, mais oh, attention. Respect pour le métier, mais... C'est pas le mien. Ok. Alors je fais pas les quêtes secondaires, clairement, parce que ça apporte pas grand chose. Voilà. Mais en tout cas, je ferai toutes les quêtes principales jusqu'à la fin. D'ailleurs, je viens de voir, j'ai pas vu. Je suis pas, j'ai vu, je précise. J'ai vu que c'était un tier 2. Encore plus de merci. Tu es une aubaine. 7, ouais, ok. Oui, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Après, il va falloir trouver une petite avenue. Là, ça va être un peu plus compliqué. Hop, voilà. Et là, c'est la merde. Please, I want the chance. Après, je pourrais gueuler une autre passe, mais... Ah, ça a l'air de l'autre côté. Ah, si. Ah, oui. Ah, oui. Tu fais quoi quand tu vois un chien? Tu le caresses ou tu lui fous un coup de pied? Je la bats. Je le tue, car le chien a la rage. Exact. T'es le nouveau, hein? Et oui. Avec nous. Je n'ai pas confiance, j'irai seul. Ouais, on peut peut-être me goumer là, non? Mec, il va voir le patron, j'irai seul, frère. Oh, 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 ouais, nouveau là. Ouais, je vous suis. De toute façon, j'ai mes figues, je vais juste voir votre patron. Ok. Ok. Bah, allez. Allons voir le boss. Le boss. God damn. God damn. Si t'étais pas sous la protection de Papa Brut, je t'aurais brisé les os, mon pote. Répète ça avec deux balles dans le... Répète ça. Répète ça. Qui était? Mais que me veux-tu? Mais il est aveugle, non? Et qu'on y passe pas la journée, gamin. J'ai d'autres choses à faire. Par contre, il a un flot. Charles Reed. Je suis Charles Reed, détective privé. On m'a dit que vous pourriez m'aider à élucider deux ou trois trucs. Alors, comme ça, il veut mon aide, le monsieur Reed. Et qu'est-ce qu'il lui faut? Je veux aider un homme à quitter discrètement la ville. Ils sont bien nombreux à vouloir se tirer d'Oakmont, gamin. Et en général... Ça fera t de faire des hockey end, hein, comme ça tout le temps, là, on dirait moi. Et comme pour toute autre chose en ce monde, ça se paie. Est-ce que ça veut dire que j'en dispense? Ça va me coûter. C'est ça, en fait, le vrai terme. Je rendrai jamais service à un étranger. Mais toi, tu fais affaire avec Throgmorton, l'adorateur de primates. Ça m'intéresse. Aucun commentaire. Et surtout, ça me dit que tu sais te rendre utile, gamin. Bon. Oh putain, mais j'ai un travail à te confier. Mais il doit rester entre nous. J'écoute. J'imagine que je n'ai pas le choix. Que voulez-vous que je fasse? C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'on est installé. Mon nom est Brutus Carpenter, chef légitime de la famille. Oh mec!
Oh mais non, mais non. Tué la semaine dernière. Brutus Carpenter. Oh là là, tu peux pas faire plus violent, sérieux. Non, gamin. Oh, ça me fume. J'ai des hommes pour ça quand il le faut. Et je veux pas le tuer de toute façon. Je veux juste. Oh, je m'attendais tout sauf à ça. Ma peau. Et pourquoi? Je sais ce que tu viens de dire. Mais quand j'ai frôlé la mort, je me suis rendu compte que jouer au dur n'était pas la solution. Je veux essayer de changer. Ah, tu veux devenir réglo comme le Yakuza? Très bien, j'écoute. Comment tout ça est arrivé? Je me suis réveillé dans le crématorium, enroulé dans un tapis. Alors ça? J'avais une étiquette sur l'orteil. C'est jamais aussi bon. Cadavre. Et j'étais couvert d'un liquide visqueux. Le seul réveil qui était comme j'ai ça que je connais, c'est dans Fallout New Vegas. Et c'était et pas ce ouf. Ce que j'ai vu après m'a fait penser que j'avais perdu la boule. Et qu'avez-vous vu? Moi, gamin. Le bougre me ressemblait comme deux gouttes d'eau et il est sorti par la porte, comme si tout allait pour le ah mieux. Ah ouais, chelou un peu. Alors j'ai décidé de m'enfuir de là pour me réfugier ici. Je me suis constitué une petite garde et j'ai repris du poil de la bête. Alors, Vous avez une idée de qui peut vous en vouloir? Ça doit être quelqu'un de proche. Alors, je peux faire confiance à personne. J'ai même pas contacté mon fils, Graham. D'ordinaire, je lui aurais demandé de s'occuper de ça. Je suis vulnérable à présent. Je peux pas prendre le risque de me montrer. J'ai jamais compris ce genre de peignoir en cravate. Vous engagez un indépendant. Bah, c'est pour être bien. Et un... Mais c'est un manteau, c'est pas un peignoir. Alors, Ouais, bah oui, ils se pouvez-vous me dire où trouver le crématorium? Bien sûr, t'en sais rien. T'es un étranger après tout. Tiens, voici l'adresse. Quel est votre dernier souvenir avant le crématorium? Dis-moi tout, papy. Je me souviens clairement d'un dîner que j'ai eu une semaine avant ça. Mais après... Oh là là, mon gars, il s'est fait copier l'ADN. Je me rappelle aussi avoir écrit quelque chose dans mon journal. J'ai oublié quoi exactement. Je sais juste que c'était important. Peut-être que ça pourra t'aider. Et je suppose que ce journal est encore dans votre manoir. C'est ça, gamin. À l'intérieur d'un coffre-fort dans ma chambre. T'as ma permission de forcer si nécessaire. Hein. Je te donnerai l'adresse. Bon, sinon t'as fait quoi? Vous avez sûrement tenté quelque chose vis-à-vis de cet imposteur, non? Évidemment, gamin. Je serais pas là à te demander de l'aide si c'était une première. T'es une giga brute? Mes gars m'ont dit que... qu'ils ont tué l'autre moi. Ça n'a rien changé. Ils ont dû choper le mauvais type. Ou alors ils t'ont fait en 6. Je vois. Ouais. Vous avez l'air tout à fait capable de vous tenir debout tout seul. Alors pourquoi la chaise roulante? On t'a jamais dit que la curiosité était un vilain défaut, gamin? Certes. Je vais te le dire si tu tiens tant. Certes. Je suis vieux. Il y a des jours où je suis fatigué. Moi aussi, je suis vieux, il y a des jours où je suis fatigué. Je sais que. Enfin, je reprends chaise roulante. Même si ce serait complètement trop cool. Vous avez parlé de votre fils Graham. Enfin. Pouvez-vous m'en dire plus? Trop cool, tant que j'ai encore l'utilité de mes jambes, quoi. Graham? Qu'est-ce que ça peut te faire? Il n'a rien à voir dans tout ça. Ok, vas-y. Vous avez l'air sûr de vous? Bien sûr. Il est trop honnête, mon Graham. Depuis la guerre, il s'est transformé en véritable samaritain. À tel point que c'est pénible, d'ailleurs. Évidemment. On a nos différences, surtout quand il est question de la famille. Mais il ferait pas de mal à une mouche, et encore moins à moi. Noté. Bisous. Au revoir. Alors, est-ce que... Ouais, ok. Brutus souhaite un homme meilleur. Ah. Ben voilà, let's go. Oula, attends. Une fois revenu à la tête de sa famille, il reprendra de plus belle et meurt, ce sera que le début. Une rencontre avec la mort pourrait-il le rendre plus empathique? Ouais, carrément, je suis chaud. Ok, est-ce que c'est affiché sur ma map? Non, je peux fouiller? Non, j'ai rien à fouiller. Comment ça va, beau gosse? Tranquille, me parle pas. Non, je vais pouvoir fouiller ici. Non, me dis pas qu'il y a rien. Ah, ça fait glou-glou, j'aime pas. Oh là là, oh c'est précaire! Oh c'est précaire tout ça! Hop. Ça vous plaît ici, étranger? Eh ben, il va falloir s'y habituer. Personne ne quitte Oakmont de nos jours. Le sang n'a séché que récemment. Bah d'accord, merde. Merde!
Hop, je vais aller voir ce qu'il y a en bas. Parce que je suis curieux. Ah, j'aurais juste pu descendre par là. Ah oui. Ah oui. Okay. Je peux vraiment sortir mon flingue. Partout. Oh là. Bah vas-y, fouille un cercueil. Pas de problème. Ah ouais, moyen bien ici quand même. Hein. Ouais. Moyen bien le sous-sol. Hein. Un peu dégueu. Oh, je me casse, il y avait un truc à me dire toi. Un brin de chantage, une dose de vol. Et la quantité est là, mais la qualité est en voie. Même mon matériel est en meilleur état. Cake. Bon allez, je me tire. Me tire. Ok, alors, faut que j'aille où? Attends, déjà ça, ça dégage. Attends, je me gratte. Hop, voilà. Alors. Donc, il n'y a vraiment aucune info. Ticket jaune que Brutus portait à son réveil. Donc, il a porté le nom de Jack White. Ok. Au sud d'Old Grove. Old Grove, c'est super loin, ça, non? Attends, c'est où? Fuck ma chérie. Alors, sur Goldbridge. Ok, sur Goldbridge. Ça me suffit. Sud sur Goldbridge. Sud. Tu es revenu. Ouais. There is a problem par contre. Entre Century Avenue et Hillside Street. What? What? Attends, je loupe un truc là? Alors. Hillside Street. Ah, Goldbridge, ok, donc c'est là. Century Avenue, ouais, c'est là quoi. Ok, ça c'est fait. Ensuite. Blablabla. Bla, bla, au sud de Wright Heights. Attends quoi? Ah, il l'a mis sur la map normalement? Non, il l'a mis sur la map, non? Ok, pour le faire récupérer. Non, il l'a pas mis sur... Ah si. Red Eye, c'est ça? Wayne... Wayne et Phillips, ok, alors. Wayne et Phillips. Eh, c'est gigantesque! Putain. Wayne et Phillips. What, c'est là? Oh là là, oh, attends, je faut que je passe dans son manoir avant. Du coup, il y a un point de TP. Il y en a un qui est là-bas. Putain, j'en ai pas sur Advent. Ah, oh, fait chier. Je pourrais aller directement là-bas, mais je pense que ça va être la merde si j'ai pas toutes les infos. Bah je vais me TP là-bas. Bon. Ah, j'aurais dû en chercher un quand j'étais chez l'autre singe. Chier. Hop, au moins ça me rapproche. Ouais, ça me rapproche quand même pas mal. Hop. Ah là, je pense que ça commence à s'intensifier. Bah j'espère. Enfin, c'est déjà pas mal, mais attends, ah bon. Non, il me fiche qu'un seul point du coup. Ah. Ah. C'était où? Ah, c'était là. Ça, c'est pas la mort. Pas la meilleure. Par contre, c'est de l'autre côté. Voilà, ouais, ok, hop. Oui, là et là. Okay.
j'espère que je pourrai le craquer, parce que si je fais ça pour rien, bah j'ai envie de me tirer, je les tue tous en fait. Là j'assassine la ville. Femmes et enfants y compris. Hein. Okay. Bon chemin. Oh là là, les mecs qui pop. Enfin que ça me dérange pas parce que... Sinon j'en aurais plein le cul. Il y a un côté Mister X en moins baraque. De mon perso? Oh, je trouve pas. C'est le chapeau qui te fait dire ça? Ok, bon, ça c'est juste en face. Oh, je trouve pas, avec le col et tout, je trouve pas, non. Ok. Oh là, non, pas ça. Du coup, c'était... C'était... Goldbridge, c'était là. Ok. Oh, c'est littéralement tout droit. Let's go. Allons investigationner. Oh, le chapeau joue beaucoup sur une personne. Oh, je trouve pas que ça fait... Je crois qu'il est... Il est pas pareil, il est... Le chapeau de X, il est... Bon, noir, oui, certes, mais il est plus renfoncé au niveau du dessus, je crois. Vraiment le quartier des riches. Hein. C'est quoi leur maison là, toute ballante? C'est-il là-bas? C'est-il où? Non, c'est un peu plus loin. Bon, ça va pris trop de temps, c'est bon. It's alright. Par contre, aller dans le sud, ça va être un peu. Essaye de regarder s'il n'y a pas des numéros sur la porte parce que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Ici. Y'a un truc? Non, pas de lettre. Dommage. Fallait bien piquer son courrier, mais. Ok, est-ce que j'ai des munitions? J'en ai plein, let's go. Oh yes! Attends, est-ce que je peux en faire une quatrième du coup? Inventaire. Oh mais parfait. Voilà, mon gars, il y en a un qui me fait chier. La porte refuse de bouger. Fuck. Je ne m'introduis pas, j'ai sa permission. Ah mais non, pas non, tu forces là par contre. Comment je rentre chez lui? Comment je rentre chez lui? Alors là par contre ça a posé quelques soucis de type structurel ainsi qu'environnemental. Bien là en plus. Ah. Donc le manoir des Carpenters au sud d'Old Grove sur Goldbush Street entre son tir. Ouais, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Sans trop attirer l'attention. Ah mais il faut juste peut-être que je défonce la porte arrière, non? Ah. Ah oui, mais oui, non, mais non, il y a du, il y a Maximon. Attends, sauvegarder. Oh, il est stylé, elle est stylée l'image. Oui. Si je fais juste ça. La porte refuse de bouger. Eh ben moi, il y a pas de souci. There is no souci in the house. I didn't try to break in. Mais comment je rentre moi sans éveiller soupçon?
coup de massue guillemets. Faut que j'attende la nuit, mais non, mais il y a pas un cycle jour-nuit, c'est pas possible. Y'a pas la clé sous un truc à la con. La porte refuse de bouger. Pas la clé sous un pot de fleurs. Sérieux ? Ouais, je vois pas vraiment comment rentrer. Voyons, pas tout bien. Je vois pas vraiment comment rentrer là. Ouais, un peu là. Ça... Non, ça sert à rien. Oui, ouais. Je peux pas défoncer la porte. Je peux pas faire grand chose. Je peux pas. Ah bah, Thief Simulator là, moyen ouf. Hein. C'est pété. Ouais, mais. Monsieur, tu sais comment je peux rentrer, monsieur ? Ah putain, ça me casse les couilles un peu ça. Non, parce que sans trop attirer attention sur moi. Oh non, mais je peux pas aller dormir en plus. Je sais pas si je peux dormir. Parce que c'est juste tout là-bas. Puis y a pas de point de sauvegarde à côté. Bah, j'ai pas l'impression que je puisse rentrer dans les maisons autour en fait. Bah, attends, je vais voir. Je casse ça comme un brigand, mais. Oh là, monsieur! Non, ça me paraît très chelou d'avoir. Vu, je pensais passer par au-dessus, mais je peux pas. Ah, ouais, si, peut-être la maison. Ouais, mais. Ouais, non. J'ai rien. J'avoue, ce serait de la merde si c'était ça. Bah... Ah. Non, pas les égouts. Ah, ça fait chier. J'aimerais bien avoir toutes les infos pour le coup. Vu que ça, c'est assez important quand même. Putain, puis y'a pas de point de TP là à côté. J'aimerais bien aller au bar, pioncer un coup. Voir si je peux y aller de nuit. Parce que des fois je suis en pleine nuit donc il y a moyen que ça tourne. Parce que j'ai aucune idée de si c'est long ou pas. Après je peux essayer de tirer un coup de feu mais Ah ici, ok. Ok, celle-là non plus. Non parce que ça se trouve c'était juste une autre maison où je peux rentrer. Non, c'est vraiment l'impression que c'était la bonne maison que j'ai trouvée. Vas-y, je vais me TP. Il ouvre le bar. Ok, hop. Je vais me TP. Essayer d'aller dormir. Voir si je peux revenir en pleine nuit. Sinon, j'irai chercher sur internet parce que je vois pas. Là, je vois vraiment pas. Ou si quelqu'un peut le faire en attendant. SEP. Comment. Attends. Tu peux chercher comment rentrer dans la maison de Brutus. De Brutus Carpenter dans son manoir.
Est-ce que je peux pioncer un coup? Non, ma chambre elle est au-dessus. De chambre. Ah là. Oh, du Ladenum. J'en prends et j'en prends. Mais les visions reviennent toujours. Je peux pas penser. C'est quoi? Plus jamais, qu'ils disent. Ah. Non, putain, je peux pas dormir. Ah, mais je les ai tout de suite. Ah, je vais pas débloquer. Ah non, je suis en manteau chaud là. Cake. Oh, oh, il est stylé celui-là. Ah, celui-là aussi. Oh, celui-là, il est trop classe. Agent de police, pêcheur, homme de science, celui de jour. Wonder Blue, Gangstube. Ouais, bah, ça fait chier. Ça fait chier. Bon, bah, mort TP. Hein. Je vais mort TP. Hop. Bah, je vais chercher viteuf. Parce que là, je vois vraiment pas comment faire en fait. Ok, parfait. Alors, comment on peut faire? Blablabla. What? Ah bah non, c'est pas le bon. Ah bon bah c'est une autre maison. Merde. Apparemment je suis passé devant. Bon bah je trouve des trucs reliés au scénario mais plus tard. J'ai juste vu qu'il y avait du... j'ai pas regardé où c'était, j'ai juste vu qu'il y avait du dialogue. Merde. Bah si, bah attends, Gold... Là. C'est celle-là je crois, ouais c'est celle-là. Oui, bah c'est bon, ça arrête de se tromper. Bah non, mais en fait, j'ai vu un 2. Du coup, elle est visitable, mais bah c'est pas celle-là. Ou alors ça a bugué. Oh non, me dis pas que ça a bugué. Ok. C'est bizarre. Enfin, ça, elle sera visitable, mais bah que plus tard, du coup. Merde. Bah attends, ouais, y en a plein de visitables là, c'est pas, y a un problème. Ah, c'est là, non, c'est là où je viens de... Ouais. La porte refuse de bouger. Celle-là aussi, du coup, je peux la visiter. Ah, bah y'a personne. Herbert Glover, mais c'est qui ça? C'est qui ce boug? Mec, mais je vais chez des gens, je les connais pas. Ah, chelou en plus. La porte refuse de bouger. Ok. Ah, enculé. Vas-y. Quoi, ça me shot pas? Non, pas de balles. Voilà. Ah, ils sont vraiment horribles, hein. Leur design est stylé. Mais ils sont horribles. Oh, il y a du puzzle. Oh, il y a du puzzle. Pourquoi Glover garderait-il un article vieux de 40 ans? Il est trop kiki. Bon, je dirais pas ça. Francis Sackmorton, l'érudit est à... L'érudit est à entière préféré d'Akmant. Et de nouveau célibataire. Ha, chais. Oula, alors. Monsieur Sorkmongmong, je vous informe avec grand regret que le prix de la pièce que vous avez demandé a de nouveau changé. Il y a du caca à côté. L'œuvre ayant en effet et généré beaucoup d'intérêt, j'ai décidé de la vendre au triple du prix précédemment convenu. Je suis conscient qu'il s'agit de la deuxième hausse en la matière, mais il est important de prendre en compte les circonstances extrêmes de l'inondation, qui m'empêchent d'agrandir ma collection et font donc de chaque pièce une œuvre inestimable à mes yeux. Bien que réellement... Danny Glover.
Non, ça. La porte refuse de bouger. Bon, bah, va falloir que je trouve une tête. Ok. Ça se trouve, je l'ai. J'en ai entendu parler au stream d'avant. Au début de la partie de Glover, mais là j'ai zéro idée de qui c'est. Tête de statue, yes. Tout ce qu'il faut. Là y'a rien. Là y'a rien. Alors juste aller visiter en haut avant de foutre l'autre tête. C'est lui? Oh putain. Pas une gueule amicale. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est ce que je me demande, BBG. On dirait qu'il manque une pièce à la collection. Un des miroirs a disparu. Ah! De légères éraflures autour de la serrure. Celui qui l'a crocheté savait s'y prendre. Ah bah c'est du... De légères non, merde, autour merde, de la serrure. Celui qui l'a crocheté savait s'y prendre. Pardon, oh merde. S'y prendre. Six balles. Un peu trop pour des coups de semonce. Tu m'étonnes. Ok, et j'ai fait le tour. On peut pas prendre. Au moins ça fait max de loot, ça c'est cool. Bon, et qu'est-ce que ça ouvre du coup en bas? Ah ah. C'est tout? Si on apporte davantage. Non mais par contre c'est tout? Ça ouvre que ça? That is a big shit, monseigneur. La porte refuse de bouger. Bon bah je me tire hein. Après ça m'avance toujours pas sur où et... Ah! Ah, il m'en manque. Ouais, mais non, mais c'est normal. Ouais, mais j'ai fouillé, enfin, il m'en manque juste là. La somme de qualité représentant un miroir à l'allure étrange. Ouais, faut aller par là. Attends. Ça, je les ferai pas, les quêtes secondaires. Bon, du coup, c'est juste un peu plus bas. Ah, je verrai bien si à un moment on fait un stream plus quête secondaire. Voilà. Mais c'est où ton manoir de con là? Ah là-bas. Putain, je suis passé à côté. Tout de suite. Je suis vraiment passé à côté tout de suite. Off nourriture, un médicament entre 9h et 17h. Un chaque. Okay. C'est quoi votre problème? Ta mère. Eh, hey, hey, vous. Alors. Interdiction de traîner dans le coin. Seuls les ouvriers. Oui, 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 je autorisé. Travail. Je cherche du travail. Il paraît que vous avez besoin d'aide. Bien sûr. Il y a un sac de pommes de terre dans le sous-sol du manoir. Allez le chercher et rapportez-le ici. D'accord? Tiens, tiens, tiens. Compris. Oui, oui, allez, oui. Pas de temps à perdre. Oui, oui, oui. Ah, vous pouvez poser. Les provisions me feraient pas de mal si vous en avez en rab. Tenez. Prenez des médicaments. Que les médicaments aussi durs au pistolet de Dagon. De rien. Oh non. Oh non. Vous pourquoi les provisions gratuitement? Pourquoi? Voilà qui est bien généreux. Monsieur Carpenter est un pilier de notre communauté. Il a décidé de faire don de la moitié de nos provisions ah, pas aux mal. Habitants d'Oakmont ah, ouais. Dans le besoin. Au revoir. Au revoir. Bon, je reviens dans 10 minutes. Tâche de contre-maître, il a cru que j'allais les faire. C'est un fou, lui. Bon, je ramène après. D'abord, le coffre.
Ensuite les patates. Ah c'est pas. Oh putain, j'aurais juste pu rentrer par derrière au lieu de parler à ce sombre personnage. Caporteur, c'est un cultiste 100%. Ah! Passez vite, l'étranger. Pour aller en haut, faut que le patron t'appelle. Et c'est pas près d'arriver. De quoi le. Le patron. The patron. Mais le patron est déjà là. Le patron, il m'a déjà dit de venir. But who is the real patron, Zen? Falloir choisir. Attends, est-ce que j'ai des plans de mémoire? Ok. Ok. Putain, il y a combien de sous-sols? Merde. Attends, est-ce où les patates? J'ai besoin des patates. Soyez peut-être, soyez peut-être. Ah, je peux fouiller là-bas. Effectivement. Alors, où sont les pommes de terre? C'est bien la question que je me pose. Ah, attends. Ok, le loot. Ok. Il y a quelqu'un qui a volé des patates? Mais pourquoi faire? J'ai envie de me prendre pour un vraiment un fou. Est-ce qu'il s'égraille une patate après? Ok. Non, non, mais j'ai pas le temps. Allez, voilà, nique ta race. Comment ça, j'ai perdu de la vie? Voilà. Je prends celui-là. Alors ça c'est à moi. Et lycée, c'est à moi? Non, non. À vous. Vous l'avez volé. Ces vivres sont pour les plus démunis. On est démunis, monsieur. Moi et ma famille. Ah, ma jambe. Ah, sans... Et j'ai rien pour les nourrir. Bah va bosser. Et écoutez, on va crever de faim sans cette nourriture. Un peu de générosité. Bah je te laisse trois patates, allez. Il y a des repas gratuits. Je comprends pas. Il y a des repas gratuits, les Carpenters en distribuent. Pourquoi voler? Pardon. Ils me donneraient qu'une seule portion. Même si je leur ai dit que ma femme et mes gosses, ils sont trop faibles pour venir. Bah, viens avec. Oh. Vous inquiétez pas, allez. Je comprends. Écoutez, je vous laisse le sac pour l'instant. Je vais essayer d'arranger quelque chose, d'accord? Allez. Oh, merci, monsieur. Kay vous bénisse. Mais c'est cœur sur la main. Bon, cœur sur la main. Vous êtes. Ne bougez pas. Je reviendrai bientôt. Et si je peux pas, je te les reprends. Pas de problème, on m'en fout. Bon. Putain, il est 2h du mat. Il reste des gens ou quoi? Mec, j'ai pas vu l'heure. Il y a un problème. Un léger problème. Quoi? Quel problème? Il y a plus patate. Un de vos ouvriers a volé le sac. Je l'ai retrouvé, donc il risque pas de se volatiliser, mais... Oui, je sais oh pas merde. De lui. Oh putain, merde. Si je suis voleur, que la mère les emporte. Oh là là, mais que... À mon avis, votre patron qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci? Mais vous avez dû pas encore en train de dormir, comme des gens si qui ont leur 8 heures de sommeil normaux. Vous avez rassurez-vous, ce genre on de vous. On a besoin de moi, ici. Oh putain. Vera, allez voir Monsieur Graham Carpenter. Je sais vraiment pas quand est-ce que je vais m'arrêter. Lui l'incident. Il est en haut. Ça commence à piquer un peu, mais... Graham Car... Ah, c'est son fils! Allez, cassez-vous. À moi, il n'y a pas de doute. Faut pas laisser les clés de la chambre à Monsieur Brut. Il les a déjà perdues deux fois. Et dans la maison, en plus. La porte refuse de bouger.
Ah, t'es gueux. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais... Oh là... This is some crazy shit. This is crazy shit right now. That I don't understand. Ok. What? The fuck? What? Bon. Monsieur? Qui... boit? Oh, tu me tiens quand? Vide depuis des années. Apparemment, quelqu'un pense que la vie éternelle peut se mettre en bouteille. Bah ouais, Ask Absolov. Ils l'ont bien fait, la vie éternelle. Du sang de Loki. Alors, pique son journal, je sais que lui. Un nouveau développement inattendu vient de se produire. La régénération totale est à portée de main. Franchement, je n'aurais jamais cru que cette église existait encore. Et encore moins que ses fidèles accepteraient de m'aider. Peut-être que ce grand prêtre ne fait que feindre son dégoût de nos tendances familiales. Peut-être qu'il comprend enfin pourquoi je me dois de prolonger mon existence. Enfin, il ne me reste qu'à le rencontrer. Le coup est sans importance, car je suis le seul homme dans tout Oakmont qui mérite la vie éternelle. Demain, Oakmont découvrira un autre Brutus Carpenter, plus jeune et plus fort. Ça y est, complètement fou! Ah! N'est que gay! N'est-ce pas vous qui qualifiez Robert d'adorateur de primates, Brutus? Ah bah, il a bien un odeil, il y a... Ah oui! N'est que gay! Brutus Carpenter, je présume? Ouais, c'est exact. Vous m'avez apporté quelque chose à manger. J'ai très faim. Ah, donc lui, c'est le... Non, lui, c'est la copie, lui. Dans ce cas, du balai. Bah ouais. Au revoir. Je peux me foutre une petite cartouche, là, tu penses? Bon, Brutus! De toi à moi! Mauvaise idée, gamin. Pas marrant. Pas marrant. Du coup, plan de mémoire. Oui, bah non. Avant ça me dit, bon, c'était censé rencontrer le haut prêtre d'une très ancienne église. Le grand prêtre m'a autorisé à informer Graham Carpenter au sujet du sac. Ah, mais j'ai pas tout là. Attends, fais voir quête. Ouais, moi j'en fous. Putain, y'a trop de trucs, mec. Ah, mais ça, je sais pas. Je sais pas en quoi ça pourrait m'aider en fait. Ouais. Je sais pas en quoi ça pourrait m'aider. Vas-y, je vais aller au point de... De toute façon, j'ai tout vu, là. Attends, ah, je l'ai pas fait dans sa pièce. Peut-être qu'il y a un truc qui m'est échappé. Non, je me casse, hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres choses. Et Graham, j'ai aucune idée d'où il est, donc... Flemme. Et pareil, il y a pas d'église là. Enfin, il y a qu'une seule église, non? qui est où d'ailleurs? Telle de ville. Oh, merde, il n'y a pas d'église? Bon, bah, j'ai oublié. Point de sauvegarde. Point de TP plutôt. 1, 1, 1. Ok. Bon, ça. Enfin que j'ai débloqué un point de TP juste en haut du bordel, par contre. Ah, par contre, il me faut des balles là. Il n'y a pas de choix. Ça, je peux pas. Ok, hop, je me fais un chargeur. Mais j'ai rechargé. Mais non, mais laisse-moi tranquille. Mais il toise only rechargement d'armes. J'ai pas dit de tirer sur personne. Putain, bien flic ça. Ça y est, maintenant recharger son arme, c'est un crime. En pleine rue. Certes. Putain, faut vraiment ce qu'ils veulent.
Sayagi accable partout, ça les apprendra. Bon, hop. On dégage de là. Pour ici. Al-Hazal-Haid. Je vais pas dire grand chose. Mais bon. Ok, allez, bah, par là. Je vois de moins en moins bien dans la ville. Oh là là, tu m'étonnes, là où je vais, mon pote. Il va y avoir de l'action, obligé. Bah, bonjour à vous, monsieur. Que les esprits veillent sur vous mieux qu'ils ont veillé sur moi. Il me fait un peu peur. Oh, quelle misère. Il s'est passé quoi, monsieur ? Y a-t-il un problème ? Enfin, BG, les méchants ont pillé les tombes du cimetière. Mais... si j'arrive pas à retrouver les corps et vite, la mairie finira par le découvrir. Ah, as-tu dans et une sauce épaisse. Ils vont me renvoyer, je le sais. C'est le seul travail qui me va. Ce que disait maman. Maman était une pute. Enfin, surtout la tienne. Je les ferai probablement. Je sais pas si je les ferai. Ah, j'aurai bien. Vas-y, j'aurai bien. D'habitude, ils sont en vie. Oh, les esprits soient loués, mon bon monsieur. Vous trouverez les trois tombes pillées au cimetière. Je les ai marquées. Inutile de salir votre costume en allant porter ces corps, monsieur. Je peux m'en charger. Contentez-vous de les trouver. Pas le faire, de toute façon. Je ferai le reste. Si j'y. Ok. Alors. Je vois rien. Ah mais c'est chez lui ça. Oh pardon. Pardon mon bon seigneur. C'est pas ce que je voulais faire. C'est quoi ça? Ma Virginia chérie, j'accomplis ton dernier vœu. Tu reposeras dans ta propre maison à jamais. Pardonne-moi de ne pas avoir eu le courage de déclarer mon amour quand tu étais encore en vue. J'expierai cette faute. C'est vrai que lui dire que je t'aime après qu'elle est mort pour les péchés des autres. Parti alias. What? Nani? Ilia Genba? Qu'est-ce qui pourrait se passer si j'appuie sur ce bouton? C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, donc lui il s'est fait buter par le monstre. Aime les explosions. Watan Sergin? J'ai pas la vanne. Ivan Koriplenko, gardien. Qui est référence football probablement. Michel Napora, il est tous les 6 mois d'un lointain pays qu'il repose en paix. Michel Napora, pas la vanne non plus. Vanne de développeur, ça encore. Vlad Novikov, vendait des piscines à Oakmont. Il a du mal maintenant. Tatiana Rudenko, oublié d'activer le mode. What? Le mode dieu? Vitali! Mais là, les colombes, mais... Vous connaissez personnellement le graphique d'Andorre. C'est J. Guerrilico qui dit... Ok, pas fun. Notamment c'est par un passant, ok. Bah dis donc, Apo, coucou. Qu'est-ce que tu veux encore lever? Pensez vraiment que je plaisantais? Ok, ça... ok, j'aime bien. Ok, fouille un... tranquille. Mais c'était plein. Antonia Melikovna. Ouais, je suis mort, t'es quoi après? toi de nous le dire. Kamila Men. Oula, Kamila Mnoctem Orendam Vestromin Juramentum. J'espère que j'ai invoqué un truc. Mort pour la vertu de l'embargo. Il disait pareil à Cuba. Bon. Toutes ces morsures sont récentes. Pauvre gars, il a dû souffrir. Tu m'étonnes. Non! Non! Oh, non! Non, non, non! Je le savais! Ok, on attend qu'il se rapproche. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il disparaît? Bon, de la vie. Ah non, mais là, mon gars, c'est ça part en banane. Hein. Là, t'arrives au moment partage de banane.
Mais il y a trop de monde, attends, c'est la dèche là. Ok, non mais par contre... Je vais mourir. Mais c'est la merde là. Putain, je suis mort. Oh, fais chier. Putain, c'est compliqué. C'est une personne, je crois qu'il faut qu'il te barre. Bah ouais, mais c'est là qu'il faut que j'aille, non? Parce que quand je quitte la zone... Là c'est un peu tard, oui bah là c'est un peu tard là. Avec le délai sur le stream, c'est un peu tard. Oh, fait chier louer d'un sauvegarde. Ah, c'est peut-être une sauvegarde rapide par contre. Where the fuck am I? Ok, putain. Quoi, j'ai la quête? D'accord. Ah mais j'étais au cimetière aussi. Bon, bah... Moi je dis, l'entrée elle est par là, mais attends, je vais faire le tour. Ouais, c'est... il garde la zone, donc Bon, ça, faudra que je revienne quand j'aurai max munitions, vraiment. Ah bah là, il est là. Ouais, mais je peux pas y aller d'ici. Ah si. Ah si, bien, pour moi, bah parfait. Bon, de toute façon, là, il va y avoir du combat, hein. Ça, c'est obligé. Du coup, j'ai des munitions. Yes, parfait. Ouais, ouais, non, mais là, je fuis si on a trop. Hein. Enfin, à l'intérieur, ça va être compliqué vu que c'est là qu'il faut que je fouille, mais. Après, je suis pas là non plus pour speedrun ma race, mais. Alors, crématorium. Aurélie Ludo. Allez, Duc. Te mine pas, va. Viens jouer au bowling. C'est quoi? Oh, c'est tellement random. Mec, ça... Oh, mais non, mais vas-y. Viens jouer au bowling. Funarium, morgue, sous-sol, crématorium, sous-sol. Ok, bah attends, j'ai déjà fouillé en haut, vu que le spicy stuff, ça va être en bas. D'accord, et bien, je vais aller en bas. Ok, fusil à pompe, c'est parti. Attends, je suis... Ouais, non. Attends, dehors. Un peu moins de vie. Ok. Pardon. Ah, bah, c'est dans le... Ouais, ok. Crématorium, il y a vraiment... Vraiment rien ici. Alors, j'ai fermé la clé, je suis parti tôt aujourd'hui. Les clés sont sur le bureau PS. Ce matin, j'ai entendu les malbêtes près du cimetière. Faites attention. Sur le bureau. La porte refuse de bouger. Où ça, le bureau? Merde. Oui, je sais, mais je m'en fous. La merde. Au bureau du cimetière. Bah non, au bureau du crématorium, je suis pas fou. Ah, mais je suis con, bureau de en bas. Oh là là, je suis fatigué moi aussi. Il y a des documents. Ouais, non, mais je viens de les avoir, les documents, c'est ça? La mémoire et rien, et non, non, mais. Là, voilà. C'est là. Alors, semaine dernière, employé de service, James Warren. Les épouilles, corps identifié. Incinéré, incinéré. Jack White, incinéré, urgent. Ouais, ouais, ok.
En arrêt maladie depuis la semaine dernière. Dans la morgue. Ah bon? Non, mais j'ai tout là. Ah non, j'ai tout. Ah, si, ça peut être. Ah non, c'est. Non, mais non, c'est bon. Non, c'est bon, il y a tout, c'est tout. Ok. Alors. What? What the fuck? Quelle puanteur. Ouais, ça a l'air dégueu. Alors là, je m'attends vraiment au pire. Ok, c'est pas fini. Je vais prendre ça. Je prends ça. Non, ça. Y a pas un peu de munitions là? Si, bah oui, y'a. Ok. On dirait que celui qui s'est servi du tisonnier était couvert de ce fameux liquide visqueux. Au vu du sang séché et de l'impact sur cette pelle, elle a servi d'arme. Je le sens pas. Ok. Je le sens toujours pas. Hein. Quelqu'un a essayé de nettoyer la tache, mais c'est encore visqueux. Et... Oh, ça pue aussi. Ok, alors... Bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Ok, donc déjà... Merde, j'ai pas vu ça. Ah, je crois que c'est juste le bruit qu'il a tapé. Faut que je sorte d'ici avant qu'il revienne. Oh, en voilà un autre. À incinérer dès que possible. C'est urgent. Tentons de découvrir ce qu'il s'est réellement passé ici. Donc là, il a tenté de se faire incinérer. Oh, en voilà un autre. À incinérer dès que possible. C'est urgent. Merde. Là, c'est entre dernier. Ensuite, il s'est réveillé. Oh, sang de bon Dieu, qu'est-ce que. Ensuite, il a assommé un mec random. Où suis-je? Voilà. Où tu es plutôt. Et après, il s'est fait bouger dessus de dégâts. Avant qu'il revienne. Après s'être arrangé avec l'employé du crématorium, voilà. Plusieurs hommes ont amené Brutus. Je suis avec Ifri. Il s'est réveillé, a promptement assommé son geôlier et s'est échappé. Et par contre, les... Eh oh, faut arrêter. Hein. C'était main. Hein. Il devient fou. Il devient complètement fou. Alors, ouais. Je dois parler à James Warren, l'employé de service toujours brûlé sur sa connaissance dans le crématorium, mais c'est de trouver ce crânien et doit être examiné d'urgence. Ok. Alors du coup, ça je m'en fous. James Warren. Et où je trouve ton James Warren? ouais. Oh non, faudra que j'aille. Faudra que j'aille chercher dans la bibliothèque. Pas comme ça? Non? Mais attends, j'ai pas tout vu! C'est pas normal, j'ai tout fouillé, j'ai l'impression! Je peux pas aller en haut aussi! Ah, je peux pas aller à l'office! Là, faut que je trouve Warren, j'imagine, pour aller à l'office! Enfin, dans le... Oui, je dis à l'office, mais... Je me dis que je vais à l'hôtel de ville, en fait, pour trouver Warren. Oh putain, il y a forcément le jardin dans Advent. Vas-y, je vais le chercher. Je vais le chercher, voir où il se trouve. Et après, je couperai le stream. Parce que ça fait...
Ça fait 6 heures que j'y suis, et ça doit faire 2h30 que j'ai envie d'aller au chiottes, mon pote. Mais j'ai aussi envie de jouer, donc mais là je tiens plus. Enfin, je tiens, hein, mais... C'est super long. Ouais, université, ça va importer, mais bon, voilà. Y'a pas de point de rapide? Ouais, non. Je joue des chiottes, je peux pas. J'ai pas de clavier. Ok. J'ai pas de clavier portatif et de souris sans fil. Sinon, franchement, je vais essayer. Enfin, j'ai pas de vue non plus sur l'écran, donc c'est dommage, mais. Le nouveau moyen de stream, le stream de ces chiottes. Ok, voilà, de toute façon, là ça va être un peu long à pied. Mon gars, si je commence ce Subnautica après, oh là là, je stream jusqu'à demain matin en fait. Et faut que je dorme un jour. Faut que je dorme. Là, tout là. Yes. Magnifique. Ah, ça fait 3 heures que je suis sur. C'est une city. Eh bien. Ok. Non, je coupe pas à travers le No Man's Land, c'est mort. Ensuite. Là, je suis arrivé plus ou moins. C'était pas si long que ça. Oui, non, mais ça c'est marqué. Je m'en fous, je peux juste y aller sans regarder ma map une seule fois quand même, je t'en supplie. Merde. Non, je veux rentrer, SVP. Putain, mais vas-y, il y a 800 portes. Aucune qui marche. Bon, c'était peut-être pas la porte d'entrée, mais... M'en fous. Laisse-moi tranquille. Alors. Ok, James Warren, sujet. Citoyen, période. Rénovation. Allons fucking now. Merde, non. Non. Je pourrais chercher des trucs. Merde, putain, non. Voilà. Non, putain. Ok, c'est espace pour... ouais. Merde, ah, me galère. Attends, je sais pas quoi foutre en fait là. L'employé de service du jour en brutus, ça. Ouais, mais attends. Du coup, sujet. Citoyen, non? Du coup. Citoyen, James Warren. Registre. Documents légaux, du coup. Et quartier. Attends, je vais quitter. C'est quoi le quartier?
C'est... Ouais, c'est... ah ouais, bah Red Heights. Registre, documents légaux. Non. Civil. Passion, bah, ouais. Il y a vraiment pas beaucoup, là. Entreprise. Ah mais ouais mais non il s'en fout lui. Oh merde. Oh putain. Non enfin. Autre mais autre ce serait bizarre en fait. Bah ouais. J'ai essayé avec tout. Hein. Ah mais le quartier, je peux pas me tromper de quartier, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4... Ouais non, tous les quartiers c'est les grands noms. Ouais non non, mais du coup c'est bon, c'est Red Heights, mais... Qu'est-ce que je peux mettre pour trouver ça, putain. Y'a un d'autre qui m'aide en plus, là. Ah mais ouais c'est trop vaste ça, c'est trop vaste. Quelqu'un a une idée ou quoi? Oh là là, oh c'est la merde. Il y a vraiment aucun indice. Putain, merde. Parce que ouais, il habite pas forcément ici, mais attends, parce qu'après, si je fais l'entreprise, archives civiles. Ouais mais... Merde. Putain. Ah ça me... Ah mais... Autre, c'est quoi autre? Je crois pas. Bah, je crois que je vais devoir couper ici parce que là je vais galérer. Ouais non. Parce que là ça m'apprend que dalle là. Vraiment ça m'apprend rien ça. Ah, peut-être que je suis le médecin, attends. Je suis con aussi, mais je sais que je cherchais le tas de ville, mais peut-être qu'il est à l'hôpital. Bibliothèque. Ah, peut-être qu'il est à l'hôpital, putain, je suis trop con. Oh putain, il n'y a pas de point. Attends, j'ai trouvé un point de TP dans Advent, je vais voir à l'hôpital. Ah, mais non. Je vais le débloquer, comme ça, bon, ça sera fait, parce que. Casser les couilles, aller en bateau. Ok. Where is the hospital? Par là-bas, je crois. Plus ou moins exact. Il
Bon, si je le trouve pas, je le couperai là. Puis si je trouve, je le couperai après avoir lui parlé. Voilà. Bah d'accord. Alors, je te marche dessus gratuit, hein. Pas de... Pas de chichi. Y a pas de bâtard ici. Là pour tout le monde. Hop. Juste un petit tout droit. Allez, maximum, maximum d'hormones, on va à fond. Voilà, hop. Yes, de repasser voir les petites ruelles, j'aime ça. C'est pas ce bâtiment là. Ah si, mais c'est de l'autre côté. Merde, c'est pas ça que je veux faire. J'imagine que je peux rentrer ici. Pas très chelou, ouais, voilà. Ah. Pardon. Ok. Attends, quoi? J'ai bloqué plein de trucs là. Ok. Oh, attends, c'était pas là avant. Asile. Ah, pff, ok. Oui, c'était pas là, mais je comprends pourquoi. Je peux pas y parler, je peux pas y parler. Prenez soin de vous, nous n'avons plus de lit disponible. Ah, bull. Alors un mec qui a un traumatisme crânien. Mon ventre. Jamais plus je mangerai de sangsue. Ça non. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire croquer dans une sangsue? Mais tu mérites en fait, tu mérites là. Moi. Pitié. Non. Pitié, juste là. Ça me démange, je deviens folle. Non, je te touche pas. Je te touche pas. Bon, bah, il est pas là. En tout cas, il a pas l'air. Je vais voir tout en bas dans le sous-sol. Ça m'étonnerait qu'il y soit. Ah, surgery, ouais, peut-être. Ça m'étonnerait en tout cas. Non, je la gratte pas, je la touche pas, la gueuse là, non mais oh, attraper des maladies encore. Warren? Jamais Warren? Bon bah, il est pas à l'hosto. Je me doute qu'il soit à l'asile. Du coup, je vais couper là. Je chercherai... sur internet comment trouver, puis au prochain stream, je saurai au moins. C'est dommage, on rate sur un échec. Bon, c'est un peu éducteur vu que j'ai fait 3 heures de jeu, mais voilà. Un petit sauvegarde. Puis bah merci d'être venus, hein, ceux qui sont restés à cette heure-ci encore, j'ai quand même 2h30 du mat. Voilà, vous êtes les héros. Les héros que je ne mérite pas. Merci d'être passés, hein, pour tous ceux qui sont passés et qui regardent la rediff, parce que je sais pas. Et merci à YouTube de regarder, comme d'hab. Hop, bah quitter, j'ai bien sauvegardé. Je suis un peu fou, voilà, ouais. Hop, quitter. Puis bah merci comme d'hab, hein, pour les subs, pour les petits dons. Voilà, comme d'hab. Mais voilà, moi je dis